C'est un nouveau jour qui se lève sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. For You Matin de ce jour 1er avril 2024. Une thématique principale, même si on va aborder justement dans le cadre de cette édition plusieurs autres questions liées bien sûr à l'actualité, en passant par les tranches d'informations ou encore bien d'autres informations. Nos invités diront certainement un mot sur différentes actualités avant peut-être de revenir sur la thématique principale qui nous amène d'ailleurs du côté du Mali. La période de transition fait débat. De ce côté-là, des voix se lèvent pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Et bien, ce moment est arrivé. Du côté du Mali, plusieurs corps, dont des magistrats ou encore des membres de la coalition d'opposition, appellent du 20 février, ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander à celle-ci de prendre position et de reconnaître que, je vais citer, les autorités actuelles sont sans mandat au pouvoir pour représenter le Mali et d'ouvrir une nouvelle transition, incluant ainsi toutes les composantes de la nation, y compris l'armée républicaine. En clair, il s'agit bien sûr de demander au gouvernement actuel dirigé par Assimi Goïta de quitter le pouvoir, mettant en avant la fin de la transition initialement prévue pour le 26 mars dernier, dont il y a pratiquement une semaine, selon bien sûr, si on s'en tient à la date initiale, le président actuel, Assimi Goïta, le président de la transition, devrait laisser le pouvoir du côté du Mali, du moins organiser déjà une élection présidentielle pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais de l'autre côté également, les autorités maliennes, on le rappelle, n'ont pas encore fait de déclaration officielle en ce qui concerne ces accusations et restent en tout cas pour le moment à la tête du pays. Comprendre donc ces revendications, ce sera l'objet de notre débat, mais aussi interroger l'opportunité d'organiser des élections à l'heure actuelle. Alors, est-ce que le Mali est prêt à tourner la page et laisser la place à un gouvernement civil? Autant d'interrogations qui trouveront certainement des réponses dans le cadre de cette émission, bien sûr, de For You Matin. Je vais présenter celui-là qui va m'accompagner ce matin aussi, hein, d'autres qui vont intervenir de l'autre côté avant peut-être de prendre une petite virgule en ce qui concerne les tranches d'information. On le rappelle, avec qui seront suivis d'un certain nombre de commentaires, parce que ça fait également l'actualité. Mais d'abord, le docteur Sango est ici à mes côtés. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour Madame Manuela Sike, bienvenue également à vous parce que merci. Ça faisait longtemps qu'on a pu passer l'émission ensemble. Je veux vous souhaiter bon retour sur les plateaux de télévision. Je vais également adresser mes salutations les plus fraternelles ce matin à toute la galaxie panafricaniste qui nous écoute à travers les cinq coins du monde. Ravi côté d'être là pour essayer d'apporter comme d'habitude des esquisses réponsionnelles à ces problématiques que vous avez décidé d'inscrire sur la table. Merci à vous, docteur Sango, de partager ce plateau avec nous ce matin. Je ne sais pas, voilà, monsieur Atangana, lui également, il est de l'autre côté, on l'a déjà aperçu, il est là. Bonjour, monsieur Atangana. Oui, bonjour, madame Sike, heureux de vous retrouver. Je crois que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas invité, probablement quelques années. Je ne me souviens plus la dernière fois qu'on était sur le même plateau. Enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir votre invitation à cette messe panafricaine, comme j'aime la dire, sur laquelle nous espérons nous débarrasser du colonialisme. Je dis, monsieur Sango, on se retrouve, on ne s'est pas quitté depuis hier. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les panafricanistes. Bienvenue à cette émission.
Merci à vous, monsieur Atangana. C'est effectivement un réel plaisir de vous retrouver également sur les plateaux du Bon Ensemble, hein, dans le cadre d'une émission. Nestor Podassé va nous rejoindre certainement d'un moment à l'autre. Mais alors, avant, chers téléspectateurs et bien sûr, chers invités, je vous propose de faire un petit tour, hein, en ce qui concerne l'actualité du côté de l'Afrique, voir un peu ce qui s'est passé. Entre-temps, on a trié pour vous quelques informations essentielles. Ensuite, on revient sur le plateau. Des navires battant pavillon camerounais ont été accusés par l'Organisation maritime internationale, OMI, en abrégé, de permettre à la Russie d'exporter et de vendre son pétrole à plus de 60 dollars le baril. Selon l'OMI, c'est une violation des sanctions émises contre la Russie par les pays du G7, les pays européens, en bref, le bloc occidental, depuis le lancement de l'opération militaire spéciale en Russie en février 2022. Ces pays réunis aux fins de trouver un moyen pour épuiser économiquement Moscou avaient décidé de plafonner le prix du baril de pétrole russe à 60 dollars dans le but de réduire les recettes pétrolières qui, selon eux, aident par ricochet la Russie à se procurer du matériel militaire. Les compagnies de transport maritime des pays du G7 et de l'Union européenne ont reçu instruction de n'accepter aucune cargaison de pétrole russe dont le prix du baril dépasse le plafond, des mesures auxquelles les pays européens s'attendaient à ce que le Cameroun se plie également. Et pourtant, le pays est libre de ses échanges commerciaux. Le 14 mars 2024, les remarques de l'OMI étaient transmises sous forme de préoccupation par le haut-commissaire du Royaume-Uni au Cameroun, Barry Loren. Les Émirats arabes unis ont par la même occasion décidé d'inclure les navires enregistrés sous l'état du pavillon de la République du Cameroun dans l'interdiction de traverser leur port. Même si le Cameroun n'a pas tenu à se prononcer sur les accusations de l'OMI faisant mention des navires fantômes et de ses échanges avec la Russie, il a quand même tenu à rappeler qu'il attend son intégration dans le système mondial intégré de renseignement maritime GISIS, en abrégé, entré en vigueur depuis 2006, pour pouvoir anticiper les zones rouges. Selon Jean-Ernest Ngalébibéhé, ministre camerounais des Transports, la situation actuelle, je cite, « remet en cause la procédure d'immatriculation des navires battant pavillon camerounais ». Fin de citation. La crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo a bientôt trop duré. Et pour mettre fin à cette situation, population, organisations internationaux, pays, tous apportent leur soutien pour mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Et pour manifester leur engagement aux côtés du gouvernement congolais et du bien-être des populations congolaises, les représentants de deux groupes armés congolais se sont engagés solennellement à mieux respecter et protéger les civils. La signature de ces actes d'engagement est l'aboutissement d'années de travail du groupe humanitaire Appel de Genève, qui s'efforce de protéger les civils dans les zones de conflit. Ces deux groupes armés, vaguement alignés sur le gouvernement contre le M23, ont signé des actes d'engagement distincts sur les règles qu'ils se sont engagés à respecter. L'appel de Genève précise qu'il ne s'agit pas d'accords formels et qu'il ne légitime pas les groupes armés. Alain Delestrove, le directeur général du groupe humanitaire L'Appel de Genève, est certain de l'impact de ces actes d'engagement sur le long terme. En ses propos, je cite, « L'objectif est précisément d'encourager d'autres groupes à prendre exemple sur des groupes plus puissants. Dans le Nord Kivu, à l'est du Congo, d'où ils viennent, il y a des myriades de groupes armés et le fait que les plus grands d'entre eux signent un engagement comme celui-ci et modifient déjà leur comportement sur le terrain est un exemple à suivre pour les autres », a-t-il par la suite expliqué. L'appel de Genève a obtenu près de 120 engagements de ce type de la part de groupes armés à travers le monde pour faciliter l'accès humanitaire dans leurs zones de contrôle et assurer une meilleure protection des populations civiles.
Merci à la rédaction de For You, au Midi Africa pour ces éléments. On rappelle différentes tranches d'informations tout au long, bien sûr, de cette journée. Vous pourrez rester, ou du moins suivre, rester connecté au programme de For You Media pour l'actualité, l'information 24 heures sur 24. Alors, avant d'aborder nos thématiques principales, on va d'abord prendre une mise en bouche. On parle de thème ou problématique d'accueil, eh bien, on va s'intéresser au JO, voilà, avec cette brouille, si on peut l'appeler ainsi. Si les athlètes russes ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques de Paris, les produits français pourraient subir le même rejet à Moscou. C'est bien sûr une déclaration de Maria Sakharova, on rappelle qu'elle est porte-parole russe du ministère des Affaires étrangères. La porte-parole justement de la diplomatie russe a donc esquissé cette idée-là d'un boycott des produits français, expliquant qu'ils pourraient ne plus être les bienvenus du côté de la Russie. On parle d'une réponse du tic au tac à la maire de Paris, on rappelle Anne Hidalgo, qui avait déclaré que les athlètes russes et biélorusses ne seraient pas les bienvenus dans sa ville dans les prochains Jeux Olympiques. On rappelle que cela, bien sûr, fait un trait avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce conflit qui oppose la Russie au bloc de l'OTAN. Il y a donc des répercussions dans divers domaines, dont justement le domaine sportif. Docteur Sango, peut-être pour la première prise de parole en ce qui concerne cette information du tic au tac. Alors, on voit que ça va quand même un peu plus loin. C'est vrai que les relations sont durcissent de plus en plus entre la Russie et ses autres États, mais on a cette réponse effectivement de la diplomatie russe. En principe, nous observons aujourd'hui qu'il y a une nette tentative de politisation, n'est-ce pas, des Jeux olympiques, oui. Des Jeux olympiques de la part, n'est-ce pas, d'un certain nombre de puissances et fondamentalement la France. Parce que aujourd'hui, nous avons l'impression que le conflit israélo et le conflit russo-ukrainien, oui, qui oppose aujourd'hui ces deux belligérants semble, n'est-ce pas, ici, se répercuter dans plusieurs domaines qui devraient normalement, à mon avis, rester, n'est-ce pas, indemnes, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe sur le plan politique entre oui, les États. Parce que le sport, en réalité, même si on peut, n'est-ce pas, ici, le concevoir comme étant un phénomène politique. Le sport, du point de vue de sa nature, a pour fonction fondamentale d'unir les peuples, de rassembler les peuples, de mettre les peuples, n'est-ce pas, en osmose sur un certain nombre d'éléments. Mais à partir du moment où on conçoit déjà le sport comme un élément de division, ça fait problème. Cette façon de faire-là n'est rien d'autre que l'attitude des puissances occidentales. Des puissances occidentales qui, généralement, veulent toujours utiliser les institutions internationales à leur service. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle des Jeux olympiques, ce n'est pas une spécificité du pays hôte. Française, bon, du moins, oui, du pays hôte. Voilà. Ce n'est jamais une spécificité du pays hôte. Parce que lorsque vous voyez l'organisation et le fonctionnement de cette institution-là, c'est une institution internationale, d'accord, qui fonctionne de manière autonome, qui n'a rien à voir avec les intérêts et les desiderata d'un État X. Or, aujourd'hui, nous avons la nette impression que cette institution-là est en train de faire l'objet d'une instrumentalisation de la part d'un certain nombre de puissances, et fondamentalement la France. Ce que la France est en train de faire là aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui viole même les règles de cette organisation internationale des JO. Donc aujourd'hui, ce n'est que normal que, après cette volonté délibérée d'instrumentaliser et de politiser cette institution-là, en refusant que les athlètes russes puissent aussi participer à cette cérémonie, ce n'est que normal que la Russie, n'est-ce pas, utilise les mécanismes du droit international pour riposter à cette attitude-là.
parce que c'est une attitude qui ne peut pas passer comme un coup d'épée dans l'eau. Ça touche non seulement aux intérêts de la Russie, mais aussi et surtout à l'image de la Russie, et sur, oui, le plan, sur le plan international. Donc, lorsque la Russie a fait cette sortie-là pour dire que les produits français seront boycottés dans son pays, oui, c'est une attitude de réciprocité qui vaut sa peine, parce que aujourd'hui il faut dire que on n'a plus besoin de subir des injonctions d'un État sans toutefois réagir. Donc nous sommes en train de voir, Madame Sikke, que les puissances occidentales et fondamentalement la France veulent instrumentaliser les JO conformément à leur intérêt, parce que les JO, pour revenir sur ces principes et, ouais, sur ces règles fonctionnalistes, les JO sont, n'est-ce pas, ici, dans cette institution qui reste le gardien des Jeux olympiques. C'est-à-dire, lorsque les JO siègent et choisissent un pays qui devrait accueillir les Jeux olympiques, ce pays-là n'a pas d'autre choix à faire qu'obéir aux injonctions des JO. Les JO, n'est-ce pas, le Comité international olympique est une organisation autonome qui ne se soumet pas aux desiderata des pays locaux. Or, aujourd'hui, on a la nette impression que la France veut prendre le dessus de cette organisation-là, faire comme si cette organisation-là serait à sa solde. Oui. Mais que non, du point de vue des règles de cette institution-là, ce n'est pas de cette façon-là que cette institution-là est composée et fonctionne. Donc, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement quelque chose qui montre la volonté ou la fâche cachée des puissances françaises qui ont toujours voulu utiliser les institutions internationales pour maintenir leurs intérêts, sauvegarder leurs intérêts. Le Comité international olympique est également aujourd'hui à la même image que l'ONU, la Charte des Nations Unies que nous dénonçons ici chaque jour, et bien d'autres organisations telles que l'OMS, et toutes ces organisations qui ont été, n'est-ce pas, ici, implémentées dès la fin de la guerre 1945. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que le combat que la Russie est en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas un combat qui se limite tout simplement aux simples intérêts de la Russie. Oui. Le combat que la Russie est en train de mener aujourd'hui sur le plan international et vis-à-vis de ses puissances belliqueuses, c'est un combat qui vise à reformer tout ce système international et avec toutes ces institutions internationales, oui, qui ont montré, n'est-ce pas, leur partialité, et qui ont montré, n'est-ce pas, leurs limites, qui ont montré que en réalité, elles ne sont pas là pour jouer les intérêts des différents États du monde. Donc, oui, ce combat-là, à mon avis, mérite d'être encouragé et consolidé pour que, à terme, advienne un système international qui sera cette fois-ci équilibré et qui sera cette fois-ci, n'est-ce pas, ici, à la solde des intérêts de tous les États dans le monde. Donc, moi, je pense que ce que la France vient de faire, là, à mon avis, c'est tout simplement la conséquence de cette crise russo-ukrainienne. Parce qu'il faut vous rappeler que il y a le président ukrainien qui a eu appelé son homologue français pour dire que ce dernier ne doit pas recevoir sur son sol les athlètes russes. Vous voyez donc bel et bien que c'est tout simplement une interposition de cette guerre-là dans le milieu du sport, ce qui ne devrait pas être normal. Aujourd'hui, on doit laisser la politique aux politiciens, le sport aux sportifs. Le sport n'a rien à voir avec les intérêts politiques des uns et des autres. Même si ça engage quand même les États. Ah, absolument, même si ça engage quand même les États. Et autre spécificité, il faut dire que les athlètes qui jouent souvent ces Jeux olympiques, en réalité, d'après les statuts du CIO, c'est-à-dire du Comité international olympique, ne représentent pas leur État. D'accord. C'est ce que les statuts disent, parce que j'ai eu la peine de lire ces statuts-là avant de venir ce matin. Ces athlètes-là ne représentent pas les États, mais ces athlètes-là sont tout simplement des joueurs qui animent cette organisation-là conformément à ces statuts. Institutionnellement, ces acteurs, effectivement. Absolument, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dénier aux athlètes russes de participer à cette institution-là, parce que ces athlètes-là, en réalité, ne représentent pas leur pays qui est la Russie. Merci à vous, Dr Sango, justement, pour votre commentaire en ce qui concerne cette actualité.
Monsieur Atangana, je vous retrouve. Mais on se demande quand même, est-ce qu'on devrait être surpris aujourd'hui de l'attitude française ou encore, pourquoi pas aussi de la riposte russe, hein, lorsqu'on connaît quand même ce qui se passe, c'est vrai, le docteur Sango l'a dit, nous sommes en terrain certainement neutre, on ne devrait pas transporter justement ce conflit aujourd'hui qui oppose la Russie à l'Ukraine dans le domaine sportif, mais lorsqu'on voit la gravité de la situation, ce qui oppose aujourd'hui ces différents pays. La Russie, par exemple, il y a quelques jours, a été victime d'une attaque terroriste. Alors, lorsqu'on regarde tous ces événements, est-ce qu'on peut être, on doit être surpris quand même que la situation aille quand même jusqu'à ce niveau? Surpris, oui et non. Surpris, oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Je rappelle en passant que pour quelqu'un comme moi qui est de race africaine, c'est-à-dire noire, panafricaniste, quand j'entends cet événement, ça me rappelle Hitler refusant de saluer un athlète noir pendant les JO. Je m'arrête quelques instants pour qu'on comprenne la signification. Hitler qui refuse de saluer un athlète noir américain. What? Dans la première, quand je dis oui et non, je dis, quand on a vu ça, et je suppose que les hommes politiques français sont des gens cultivés, qui ont un minimum de background, de culture, on ne s'attend pas à ce que des gens de ce niveau de culture posent ce type d'acte. Parce que c'est au-delà de toute loi, au-delà de toute forme d'organisation, les JO, ça doit d'abord être apolitique. Ça n'a pas vocation à être politique. Oui. Ça n'a pas vocation à être politique. Or, des gens cultivés comme ça, qui vont poser un acte hitlérien en plein 21e siècle, là, on sursaute quand même. Mais en même temps, ce n'est pas surprenant qu'on connaît le contexte actuel, qu'on connaît ce que les impérialistes aiment faire des organisations internationales. L'ONU n'avait pas vocation à être une organisation partisane monopolaire, monocéphale. Ils ont tout transformé, ont voulu faire de cette organisation un outil aux mains des impérialistes, en créant le tank et le bras armé. Il n'y a pas que là, si vous regardez ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest dernièrement. Vous vous souvenez, on s'est retrouvé avec une organisation des États de l'Afrique de l'Ouest qui impose des sanctions aux États du Liptako Gourma, alors que ce n'est pas prévu dans les textes. Ouais. Une instrumentalisation des institutions internationales. Avant, ils instrumentalisaient les organisations non gouvernementales, on se souvient. Tout le monde se souvient, toutes ces organisations internationales, je ne vais pas citer les noms, ça risque d'engager la chaîne et vous risquez d'avoir des poursuites. Et puis, c'est passé aux organisations internationales. Et là, nous sommes dans des organisations comme les JO qui ne devraient pas être politisées. Est-ce un aveu de faiblesse? Est-ce une incapacité à débattre? Quand les gens sont intelligents, on s'attend à ce qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils discutent des problèmes en plein 21e siècle. On assiste à des sanctions, à des interdictions, au lieu d'assister au dialogue, au lieu d'assister à des échanges. Mais là, on n'attend pas un pays comme la France dans ce genre d'attitude. Donc, je pense que c'est regrettable. Pour un pays qui se veut né, qui a connu le siècle des Lumières, qui connaît de grands intellectuels, un pays qui est né sous le besoin des libertés individuelles. Je rappelle la Révolution française, parce que les gens ne savent pas très bien ce que c'était. Et pas que les privilèges soient donnés à la minorité 1% de la population qui était des aristocrates. Les gueux qu'on appelle aussi les sans-culottes, ils n'avaient pas de... Je vais donner un exemple pratique, parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. En France, un Français, 18% des Français, n'avaient pas le droit de témoigner
dans un tribunal contre un aristocrate. Vous avez du mal à imaginer, c'était ça la France avant la Révolution française. Vous ne pouvez même pas témoigner. Et quand vous êtes contre un aristocrate, vous avez tort. Il faut lire ça pour comprendre les républiques et la naissance des républiques. Et quand on est la France, quand on est né de ça, franchement, on devrait interdire d'interdire. On devrait pouvoir débattre, on devrait trouver d'autres façons de mener ce genre de choses. On attend la France ailleurs. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, quand vous écoutez des grands politiciens, des grands diplomates français comme M. de Villepin, vous voyez tout de suite qu'ils sont plutôt des gens qui sont plus proches du dialogue que des sanctions. Le pire, c'est quand on instrumentalise tout. Les organisations, les institutions internationales et même les JO, qui, c'est sportif, c'est une grande fête mondiale sportive, ça devrait l'être. Et ça devrait même être diplomatiquement le lieu où on prend des contacts relationnels, on entame la diplomatie. Ça ne devrait pas être des lieux où on interdit les rues. Merci à vous, monsieur Atangana, pour également ce commentaire, ce regard autour de cette actualité, ce différent qui oppose aujourd'hui, hein, sur le plan, on va le dire quoi, sportif, la Russie et bien sûr la France. Est-ce que ces deux pays vont aller jusqu'au bout, au-delà de ces différentes déclarations? De toutes les façons, on est là, on regarde, certainement on analysera cette actualité, mais on le sait déjà, en ce qui concerne cette sortie de Anne Hidalgo, la Russie a déjà donné un peu l'autre angle de contre-attaque. Il serait possible également de boycotter les produits français sur le sol russe. Et bien voilà pour la thématique d'accueil, chers téléspectateurs. Merci une fois de plus à vous, cher monsieur. Avant d'aborder le thème principal, on vous a posé une question, chers téléspectateurs, sur For You Media Africa. Vous le savez, c'est désormais quotidien la question du jour, car vous participez bien sûr au débat, peut-être avec le concours de la réalisation. On prendra quelques réactions de nos téléspectateurs. La question du jour, eh bien, le président français Emmanuel Macron s'est empressé de féliciter le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et de lui proposer un partenariat renforcé. Mais derrière cette apparente cordialité se cache-t-il une volonté de maintenir l'influence française au Sénégal, quitte à freiner les ambitions du nouveau chef d'État? Alors, vous pouvez également nous laisser en voice, comme vous pouvez le voir à travers ce message via le 612 50 67 00, bien sûr, avec l'indicatif plus 237. C'était bien sûr la question du jour et on a eu justement quelques réactions rapidement avec le concours de la réalisation. Que pensez-vous justement? On a Cassie Aissou qui dit « C'est une évidence que la France ne laissera pas l'Afrique lui échapper, mais l'union d'un peuple peut réussir. » C'est un message de Cassie Aissou qui trouve justement que voilà, la France ne laissera pas échapper l'Afrique. On poursuit avec cet autre message. « La France ne va jamais changer sa façon de traiter avec les Africains. C'est à nos chefs d'État d'assumer pleinement leur responsabilité. » Message d'Abakar Gadamé. Bonjour. Derrière cette apparente cordialité se cache voilà une bonne blague. C'est un autre message. La volonté, du moins une volonté de maintenir un partenariat renforcé, quitte à freiner la volonté du nouveau chef d'État, arrosé d'une volonté de maintenir l'influence des représentants, bien sûr, du président Macron, mais c'est pas net, la propreté s'emploie avec les verbes nettoyer. C'est un autre message, bien sûr, de l'INSEE. On poursuit avec d'autres réactions, effectivement, bien qu'ils peuvent renforcer le partenariat, mais ce dernier doit être au profit des peuples. Amadou Mams Poulo, un autre message justement des téléspectateurs. Occidentaux et l'OTAN, ce n'est pas la Russie qui est visée, plutôt l'Afrique qui est visée pour déstabiliser, clair et net. Allons seulement, un message de Diaby.
Kibaya qui a réagi à la question du jour. Encore et toujours la France-Afrique dans ses œuvres malsaines et diaboliques pour tenter de détourner l'attention des Africains sur les véritables enjeux et défis qui permettront à nos pays de se développer véritablement. Un message de Woody Afrique qui a également participé à cette question du jour. Il y a plusieurs, nous avons reçu plusieurs de vos réactions. Merci de participer également justement au débat sur Forum Media Africa. Vous le savez, c'est désormais quotidien parce que vous participez également au développement et bien sûr au développement et à la liberté, la conquête de la liberté du continent africain. On se retrouvera certainement demain pour une autre question du jour. La thématique principale, on va donc du côté du Mali avec ce débat, du moins cette question en ce qui concerne la durée de la transition. Le rappel, cette transition qui est dirigée aujourd'hui par le président Assimi Goïta qui devrait prendre fin, d'après les informations, depuis la semaine dernière, soit le 26 mars dernier. À l'heure actuelle, le président Assimi Goïta et bien sûr tout son gouvernement reste à la tête du Mali. Il y a des voix qui commencent à se lever de ce côté-là et demandent au pouvoir malien d'organiser les élections, de respecter les accords ou alors de respecter la transition, d'organiser les élections et de remettre le pouvoir aux civils. Mais on s'interroge, effectivement, est-ce le moment pour le Mali, effectivement, d'organiser ce type d'élection aujourd'hui? Est-ce que le pays est prêt à passer à une autre étape? On va bien sûr analyser avec nos invités, mais vous également, vous le savez, chers téléspectateurs, tout à l'heure, le standard sera ouvert. Vous pourrez appeler pour donner votre point de vue sur la question. Monsieur Atangana, je vais commencer par vous sur cette question du côté du Mali. La réaction de ces personnes-là, de ces corps, parce qu'on rappelle que c'est plusieurs corps qui se sont levés. C'est vrai qu'on a mis un peu plus en avant les magistrats. On a également mis en avant cette coalition d'opposition appel du 20 février qui demande aujourd'hui à ce que la Cour constitutionnelle se saisisse pour régler définitivement ce problème de transition. Mais à l'heure actuelle, M. Assimi Goïta reste à la tête du Mali. Ça aussi, c'est une méthode qu'on connaît quand on a assisté aux décolonisations, surtout dans les décolonisations de l'Afrique francophone. Ce sont les méthodes qu'on connaît, méthodes qui consistent à ne pas partir, à ne pas décoloniser et substituer la colonisation, enfin la colonisation, substituer l'esclavage qui est devenu d'ailleurs colonisation, parce que c'est ça qui est arrivé. La colonisation, l'esclavage, c'était on nous amène sur le continent américain, on va travailler dans les champs. La colonisation, c'est qu'ils viennent chez nous. Ils nous font travailler dans les champs chez nous. Et là, ils nous fouettent, ils nous tabassent. On fait les rues à la main, le résultat était le même, sauf qu'il y avait moins de pertes d'hommes pendant le transport. La colonisation n'est rien d'autre que l'esclavage, ça a juste changé de nom. Les intérêts économiques restaient les mêmes. Et puis on est passé à la néocolonisation. La néocolonisation, ça veut dire qu'alors qu'on se battait pour se décoloniser, on a eu une nouvelle colonisation. Et cette nouvelle colonisation, c'est la même méthode. On va prendre des personnes en interne. On va leur faire jouer des rôles. Ces rôles auront plusieurs noms, les droits de l'homme, la démocratie, les trucs, des principes que nous-mêmes, on ne connaît pas. Des principes qu'on ne comprend pas. Moi, j'insiste à dire que beaucoup d'Africains qui disent aujourd'hui « ordre constitutionnel ». Tiens, qu'est-ce que c'est que l'ordre constitutionnel pour un Africain? On sort des colonisations, c'est quoi nos constitutions? Pour rappel, la constitution de la France est basée sur le fait qu'on sortait des monarchies absolues. Et on retrouve ça dans leur constitution. Ils ne veulent plus de monarchie absolue. Ils vont donc passer de Dieu souverain. C'est de là où la notion de peuple souverain, donc de république, va naître. Quand je dis naître, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas de façon théorique dans les livres. Je parle là de la mise en forme pratique de la république. Oui. Et nous, on crée des républiques sur base de quoi? Sur la volonté de quitter la colonisation. Et nos constitutions n'ont même pas la base, c'est-à-dire le rejet total de toute forme de colonisation. Ce qui est fondamental dans nos républiques,
Nos républiques sont fondées sur le fait qu'on ne voulait plus la colonisation. Et qu'est-ce qu'on va nous donner après? Le néocolonialisme. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens qu'on trafique, qu'on met dedans. Je peux prendre des cas, et tous les Africains connaissent les cas, des gens qu'on a pris, qu'on a mis au pouvoir par des astuces pour servir le maître. Ça s'est passé chez nous au Cameroun. On sait comment Aïdjo s'est retrouvé en train de remplacer André Marimbida. Ça, c'est pour être factuel. Vous croyez vraiment que ce qui se passait au Mali, le colon allait partir comme ça, il dit, bon, merci, j'en ai ras le bol de la colonisation. Alors, ils ont commencé à vous parler de retour à l'ordre constitutionnel. Après, ils vous ont demandé de donner une limite pour la transition. Oui. Eux qui? En vertu de quoi un État demande à un autre de limiter la transition dans le temps? Sur base de quoi? Sur quel texte? Monsieur Atangana, je vous relance justement sur cette dernière phrase, déclaration que vous avez faite. Alors, est-ce que de leur côté, les autorités de la transition du côté du Mali n'auraient justement pas dû, je vais mettre entre guillemets, peut-être tomber dans ce piège et donner et fixer effectivement une date de fin de la transition en disant le 26 mars, du moins la durée de la transition ira jusqu'au 26 mars 2024. Est-ce que les autorités maliennes n'auraient pas dû justement ne pas fixer cette date? Et vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Ils ont fixé cette date sur base de quoi? De quel recul? De quelle expérience? De quels objectifs? Ils ont estimé qu'ils atteindraient des objectifs sur une telle une échéance. Oui. Sur quelle expérience? Sur quel passé? Sur base de rien. Juste parce qu'il y a le colon qui est venu qui leur a dit « Mais comme vous êtes des petits Africains, nous on va quand même vous expliquer ce que c'est. » Donc, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Moi, j'aime dans les débats que les gens comprennent ce dont on parle. On leur a dit, il y a l'ordre constitutionnel. Tiens, l'ordre constitutionnel commence par là. Là, c'est la première arnaque. Dire aux Africains qui se battent pour sortir du néocolonialisme qu'il y a l'ordre constitutionnel. Je redis, vous dites à quelqu'un qui se bat pour sortir du néocolonialisme qu'il y a l'ordre constitutionnel. C'est un non-sens intellectuel. Non-sens intellectuel. Et bien évidemment, ils tombent dans le piège. Et vous leur dites, ok, d'accord, pour revenir à l'ordre constitutionnel, sans que ces gens ne sachent ce que c'est, et j'insiste, ils ne savent pas ce que c'est, on leur dit, donnez une limite. Et ces gens qui ont dit, donc on ne sait pas qu'est-ce qui leur donne le droit ni le mandat de le dire, viennent vous dire, écoutez... La constitution, le truc devait être terminé. Et ils vont utiliser les propres fils du pays, et on sait comment ça se passe, pour leur dire, revendiquer un retour à l'ordre constitutionnel, ça apporte l'énergie au Mali. Dites-moi, avant le coup d'État, l'ordre constitutionnel, comme ils disent, retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire que ça existait, que ça n'a rien. Depuis les indépendances, que cet ordre constitutionnel existe. Ça a développé le pays. C'est quoi le but d'un Africain quand il se bat? C'est pas venir avec ces gros mots-là. Nous, on les comprend déjà. Avant, ils trompaient nos parents avec ces mots-là. Que parfois, eux-mêmes ne comprennent pas, parce qu'il y a beaucoup de Français, 80, 90% des Français qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont une république. J'ai bien 90%. On leur enseignera ça. Très bien. Voilà. Ils sont donc, comme vous avez dit, Madame Sikke, dans le... C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là qui vient vous dire ce que vous devez faire chez vous, alors que la seule chose qui devrait guider un Africain aujourd'hui, pire en panafricain, c'est la fin de la colonisation, qui est travestie aujourd'hui en néocolonialisme. On a pris le diable, on a habillé avec la sultane de l'ange. Ce qu'on appelle néocolonialisme n'est rien d'autre que la colonisation, ce n'est rien d'autre que l'esclavage. Dites-moi. Tout votre argent dans le trésor public d'un pays, que quel que soit ce que vous dites. Et puis, il y a même certains Africains qui disent, oui, ils nous aident à gérer notre argent. C'est-à-dire, nous assumons notre petitesse intellectuelle. Ils assument leur incapacité à être autonomes. Ils disent, notre argent, on le gère mal. C'est notre problème.
Nous voulons la liberté. Personne n'a la preuve que la France, endettée à plus de je ne sais plus combien de pourcents de son PIB, est un bon gestionnaire de son patrimoine. C'est un débat que vous avez soulevé, mais je vous assure, on pourrait écrire des livres dessus. Je vais m'arrêter pour laisser mon frère et contradicteur, ouais. Docteur Sango, prendre parole. Sinon, on resterait là jusqu'à demain. Merci à vous, monsieur Atangana reviendra vers vous, effectivement, pour la suite du débat, docteur Sango. Alors, ces revendications hein, de ces différents corps en ce qui concerne la durée de la transition du côté du Mali, la fin de la transition, et bien sûr, était fixée au 26 mars dernier. Les autorités sont encore en place. Tout à l'heure, on se demandait est-ce que les autorités maliennes, peut-être avant de se demander si le pays est prêt aujourd'hui à passer à autre chose, mais est-ce qu'avant cela, les autorités n'ont pas failli à un moment donné en fixant cette date? Non, je ne pense pas que les autorités maliennes auraient failli à leur mission. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les autorités maliennes n'ont pas dit qu'ils ne vont pas travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Oui. La preuve, il y a un avant-projet de constitution qui avait été initié, tout qui a été voté à travers un référendum et qui a été majoritairement accueilli par la population malienne. C'est un indicateur important qui montre que les autorités maliennes travaillent pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Sauf que ce retour à l'ordre constitutionnel tel que voulu par la population, la majorité, la majeure partie de la population malienne et les autorités gouvernementales maliennes aujourd'hui, c'est un retour à l'ordre constitutionnel souverainiste qui n'a rien à voir avec l'ordre constitutionnel tel que les puissances occidentales nous miroitent aujourd'hui. Il faut dire que, pour faire une lecture comparative, que ce Mali-là était dans cet ordre constitutionnel que les magistrats et les partis politiques d'opposition sont en train d'appeler aujourd'hui, avant de sombrer dans la crise. Les élections venaient d'être organisées au Mali, avant l'avènement de cette crise-là. Il faut dire que depuis 1960, ce pays-là n'a connu que des ordres constitutionnels. Mais ça n'a pas empêché que ce pays-là soit victime du terrorisme. Ça n'a pas empêché que ce pays-là soit, n'est-ce pas, dans la pauvreté et la misérabilité, n'est-ce pas, ici, hein, accentuée. Donc aujourd'hui, ce que les populations maliennes doivent comprendre, et fondamentalement, ces partis politiques d'opposition qui sont, à mon avis, instrumentalisés et manipulés par les puissances occidentales, parce qu'il faut, mettre en exergue, n'est-ce pas, ces réactions des médias mainstream tels qu'ils ont véhiculé cette information-là. Ouais. C'est pour dire qu'en réalité, ces partis politiques d'opposition et ces magistrats-là doivent intégrer le fait que les autorités maliennes sont dans une dynamique de rupture. De rupture, non pas avec des individus, de rupture avec un système qui est la France-Afrique. Or, ce système-là ne s'est pas enraciné en un jour, en un an. Ce système-là s'est enraciné pendant des décennies, du moins depuis les indépendances. Donc, déraciner ce système-là n'est pas une sinécure, n'est pas quelque chose qui va se faire de manière facile. Ça demande un temps. C'est pour cela que je dis souvent que le calendrier au Mali ou alors le temps politique au Mali n'obéit pas, n'est-ce pas, au temps calendaire, d'accord? C'est un temps processuel qui doit se faire conformément aux objectifs fixés par les autorités de la transition. Aujourd'hui, l'organisation des élections au Mali doit être la dernière chose à faire après que les choses essentielles auraient été faites. Aujourd'hui, le Mali est en train de travailler pour donner à ce pays-là une fondation qui pourra, n'est-ce pas, ici tenir dans le temps. Les autorités maliennes ne sont pas là pour s'accaparer du pouvoir. Elles vont organiser les élections. Mais elles veulent se rassurer que ceux qui vont arriver à la tête du Mali à la suite de ces élections-là ne travaillent plus pour faire sombrer le Mali dans ce système de la France-Afrique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Madame Sike, on a tué le président Kadhafi en miroitant aux Libyens,
n'est-ce pas, le fait qu'il n'avait pas la liberté d'expression, il n'avait pas la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une personne qui regrette mieux la mort de Kadhafi, c'est bel et bien cette population libyenne-là aujourd'hui. Donc, c'est un exemple que les partis politiques de l'opposition aujourd'hui et au Mali devraient intégrer pour comprendre le sens du débat à mener. On n'est pas en train de dire qu'ils ne doivent pas faire leur rôle d'opposant. Ouais. On n'est pas en train de dire qu'ils ne doivent pas s'exprimer. Mais la logique politique voudrait que lorsque l'intérêt général d'un pays est en danger, que les populations et les corps constitués fassent bloc pour d'abord travailler pour cet intérêt de la nation. L'intérêt du Mali aujourd'hui, qui va au-delà des partis politiques, au-delà des corps partisans, c'est l'intérêt de se libérer du processus de la France-Afrique. C'est ça l'objectif aujourd'hui. N'importe quel Malien serait d'accord que ce système-là mette fin aujourd'hui au Mali. Bien plus encore, Madame Siké. Ouais. Il faut savoir que le Mali aujourd'hui n'est pas seulement engagé dans un processus de libération du point de vue malien seulement. Vous savez que ce pays-là est aujourd'hui en collaboration avec deux autres pays qui ont initié un projet de confédération, de création, n'est-ce pas, d'une confédération. Ouais. À partir de ce moment-là, ça a des conséquences sur le plan interne de chacun de ces trois pays-là. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, en prenant des politiques publiques, en définissant des politiques publiques dans chacun de ces trois pays-là, et ces pays-là tiennent compte du fait que les politiques définies sur le plan local ne doivent pas mettre en danger, n'est-ce pas, ce projet défini sur le plan supranational. C'est de ça que la question aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, le Mali est en train de voir dans quelle mesure l'organisation des élections devrait se faire en même temps avec les autres États, tels que le Niger, le Burkina Faso. Parce que quand on dit confédération d'États, c'est quand même quelque chose qui veut dire que les membres qui s'engagent à former un tel projet acceptent de spolier ou d'aliéner une partie de leur souveraineté, tout à fait, pour la mettre au service de ce projet communautaire-là. Ouais. Donc, moi, je pense que ce que les partis politiques d'opposition maliens sont en train de faire là, c'est une fuite en avant qui n'a pas lieu d'être. C'est une fuite en avant qui n'a pas lieu d'être. Au lieu de procéder de cette manière-là, ils gagneraient tout simplement à faciliter le travail de ces autorités maliennes aujourd'hui, à travailler pour poser les bases d'un système politique capable de cette fois-ci de protéger et de sauvegarder les intérêts du Mali sur le plan international. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, en tant que panafricaniste, ce serait quand même une incongruité qu'on reproche aux autorités maliennes, burkinabées, nigériennes, la volonté de s'interniser au pouvoir. On a vu que les élections, les votes qui se sont succédés à la tête de ces États-là n'ont servi à rien. N'ont servi à rien parce que c'était des votes, des élections truquées, des élections qui n'avaient rien à voir avec les desiderata de la population. C'était des élections qui consistaient tout simplement à mettre à la tête des États de ces pays-là des valets qui devraient faciliter l'exploitation et l'aliénation, n'est-ce pas, ici, hein, des ressources naturelles des pays africains. Ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, pour ma part, je pense que l'Afrique a besoin de tout sauf de la démocratie occidentale. L'Afrique a besoin de tout sauf, n'est-ce pas, des systèmes politiques occidentaux. Vous avez vu récemment un pays comme le Togo qui a décidé de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. C'est-à-dire on sort de la coque de la bouche du lion pour encore aller entrer dans la gueule du loup. On n'a plus besoin de ces régimes politiques importés, Madame Siké. L'Afrique aujourd'hui a la capacité de définir des modes de choix de leurs gouvernants de manière originale. De manière originale. La preuve, je prends toujours cet exemple, puisque nous sommes en train de parler du Mali qui fait l'objet d'une exploration ce matin. Je pense qu'il n'y a pas mieux exemple que ce pays-là.
on peut, n'est-ce pas, prendre la temporalité de ces autorités maliennes à la tête du Mali. Aujourd'hui, on voit bel et bien que ces autorités-là, aujourd'hui, jouissent d'une certaine légitimité alors qu'elles n'ont pas été élues, elles n'ont pas été votées. On voit bel et bien que la population malienne aujourd'hui n'en déplaise à ces partis politiques d'opposition et à ces magistrats aujourd'hui, est totalement d'accord avec les actions qui sont portées par les autorités maliennes aujourd'hui. Donc, cela montre que l'Afrique aujourd'hui peut chercher à définir comme choix des gouvernants un mode de gouvernement, un mode de choix qui ne tient pas compte forcément de cette élection libérale occidentale. Ouais. On peut définir une stratégie du choix de nos dirigeants totalement neutre, qui n'a rien à voir avec la démocratie occidentale aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le vote, les élections, les notions de droit de l'homme, la liberté d'expression que les puissances occidentales miroitent aux Africains pour organiser les élections, pour les déstabiliser, devraient aujourd'hui constituer des tabous. Aujourd'hui, les Africains devraient, n'est-ce pas, aussi comprendre que c'est des appâts que ces puissances occidentales utilisent toujours pour mettre la main, n'est-ce pas, à nos ressources naturelles et à nos matières premières. Assimi Goïta et ses pères ont été clairs lorsqu'ils ont, ils ont pris le pouvoir. Ils ont dit trois éléments. La souveraineté du Mali, oui. Les intérêts du Mali sur le plan international et le respect des choix stratégiques des partenaires du Mali sur le plan international. Mm. Le Mali aujourd'hui, à travers ces trois éléments, montre que il n'a plus besoin, n'est-ce pas, de la pression. Le Mali aujourd'hui montre à travers ces trois éléments qu'il n'a plus besoin du diktat, il n'a plus besoin de la position des autres, oui, sur ce qui concerne sa politique intérieure. Le Mali aujourd'hui entend évoluer de manière souveraine, de manière, c'est-à-dire libre. Le Mali ne pose plus les actes pour plaire à une puissance internationale, non. Le Mali aujourd'hui entend procéder de manière libre dans sa politique intérieure, mais aussi et surtout dans sa politique extérieure. Pour rester dans le même sens, est-ce qu'on devrait, donc, dans ce cas, balayer d'un revers de la main ces autres-là, ou alors ces autres Maliens qui estiment que cela pourrait constituer justement aujourd'hui un prétexte, dire nous ne voulons plus de cette démocratie à l'occidentale, et mettre cela devant, justement, pour justifier le fait qu'on devrait rester au pouvoir. Oui, Madame Sike, et même si c'était un prétexte, est-ce que ce que les autorités maliennes font aujourd'hui n'est pas bénéfique pour les populations maliennes? Est-ce qu'on ne voit pas les fruits? Est-ce qu'on ne voit pas que le combat que ces autorités-là mènent aujourd'hui a déjà commencé à donner des résultats probants sur le terrain? Il faut dire, et je vais le dire en tant que politologue, que l'objectif de tout processus de gouvernementalité, Madame Sike, c'est le développement et l'amélioration des conditions de vie d'une population. D'accord? Lorsque vous avez un système politique qui ne remplit pas ces deux éléments, ces deux fonctions-là, c'est un système politique qu'il faut bannir rapidement. Donc, vous convenez avec moi que même si vous êtes dans la dictature, même si vous êtes dans la monarchie, même si vous êtes dans la seigneurie, même si vous êtes, n'est-ce pas, dans un système politique, n'est-ce pas, absolutiste, et que ces deux éléments-là sont, n'est-ce pas, ici, sauvegardés, je pense que ce sera l'un des meilleurs systèmes politiques qu'il faudrait, n'est-ce pas, encourager. Je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'aujourd'hui, on voit bel et bien que les autorités maliennes ont la nette volonté de sauvegarder les intérêts du peuple malien. Parce que ce serait quand même une hérésie que de dire que les partis politiques d'opposition sont d'accord
avec le fait que les puissances occidentales soient les maîtres en ce qui concerne l'exploitation et la commercialisation des ressources naturelles et des matières premières du Mali. Oui. Il faudrait que les partis politiques d'opposition se prononcent là-dessus. Oui. Voilà les problématiques importantes auxquelles ils devraient se prononcer. Aujourd'hui, lorsque ces partis politiques-là glissent sur le retour à l'ordre constitutionnel, sur l'organisation des élections, ça montre tout simplement que ils ne sont pas conscients de l'enjeu que le Mali est en train de traverser actuellement. Ça montre que ces partis politiques-là ne sont pas à la hauteur même du combat que le Mali est en train de mener actuellement. Donc c'est un des éléments qui montre qu'ils seraient instrumentalisés. Ils seraient, n'est-ce pas, ici manipulés par les puissances occidentales. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne peut plus accepter des hommes politiques qui développent des idéologies qui n'ont rien à voir avec la souveraineté, qui n'ont rien à voir avec la liberté des pays africains à exploiter leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Parce qu'il faut le dire, madame Sike, que dans ce qu'on appelle souvent la bataille du développement, il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Et il se trouve donc que l'Afrique aujourd'hui, ce qui constitue son avantage comparatif, ce sont ses matières premières et ses ressources naturelles. Or, cet avantage comparatif-là ne peut pas bénéficier au continent africain aujourd'hui, justement parce que cet avantage comparatif a été embrigadé, asphyxié par ces puissances occidentales et qui ont fait en sorte que cet élément-là ne puisse pas bénéficier au développement du continent africain. Lorsque vous voyez le continent européen et même américain aujourd'hui, leur avantage comparatif, ce sont les industries. Et c'est peut-être la vente des armes, etc. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous mettez, par exemple, si vous travaillez pour être, n'est-ce pas ici, en paix, si vous travaillez pour vivre en quiétude, les puissances occidentales vont tout faire pour créer la guerre, pour que leurs armes soient véhiculées, soient vendues. Parce qu'ils ont compris que leur avantage comparatif en termes de développement reste cette industrie d'armement. Donc aujourd'hui, moi je suis en train de dire que la nature des hommes politiques que l'Afrique doit aujourd'hui définir, la nature des hommes politiques dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des hommes politiques totalement panafricanistes qui travaillent pour cette rupture de système. On n'a plus besoin des hommes politiques qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas formés, qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas ici, un anti en termes d'idéologie, qu'ils ne sont pas informés des problématiques et des enjeux qui traversent le continent africain aujourd'hui. J'ai la nette impression que l'opposition malienne est dans cette logique, n'est-ce pas, de distraction, cette logique de manipulation, cette logique d'instrumentalisation. Assimi Goïta aujourd'hui et ses éléments et sa population, parce qu'il faut davantage mettre cette population-là à son actif, a aujourd'hui montré sa capacité à mettre le Mali sur les rails du développement, à mettre le Mali sur les rails, n'est-ce pas, de la sécurité. On voit que le nord du Mali aujourd'hui, Kigali, qui était cette partie du Mali contrôlée par les djihadistes, les rebelles, aujourd'hui, on voit bel et bien que l'autorité du gouvernement est totalement assise sur cette partie du Mali. On voit bel et bien que même si la paix n'est pas encore revenue à 100%, on a quand même la nette impression que la sécurité est revenu à 95%. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne saurait parler d'organisation des élections tant que les mesures de sécurité ne sont pas encore à 100%. Vous comprenez? On ne peut plus accepter d'organiser les élections au Mali, dans une partie du Mali. Vous savez qu'à l'époque, n'est-ce pas, des prédécesseurs de Goïta, on organisait les élections au Mali, n'est-ce pas, dans certaines localités. Bien sûr, il y avait d'autres localités où on ne pouvait pas organiser les élections parce que cette localité-là était en insécurité. Oui. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin que l'intégrité territoriale des États africains soit contrôlée par des djihadistes, soit contrôlée par des rebelles. On a besoin aujourd'hui d'une totale capacité à contrôler notre intégrité territoriale. Et c'est ça
qui fait la force d'un État comme la Russie aujourd'hui. Vous savez que la Russie, sur le plan, n'est-ce pas, de la densité de la superficie, c'est 1,7 million de kilomètres carrés. C'est le pays le plus vaste du monde en termes de surface, en termes de densité. Et la Russie contrôle chaque millimètre de son territoire. Donc, à partir du moment où vous avez déjà la capacité à contrôler un tel territoire, ouais, ça vous donne sur le plan national et international un indice de puissance, ouais, qui montre que si vous pouvez contrôler 1,7 million de kilomètres carrés, ça veut dire que même sur le plan international, vous pouvez avoir la nette capacité, n'est-ce pas, de faire beaucoup de choses. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que les États africains, tels que la RDC, par exemple, vous savez que la RDC, c'est également l'un des États les plus vastes. Tout à fait. Mais le problème de la RDC aujourd'hui, c'est justement parce que ce gouvernement-là n'arrive pas à contrôler l'étendue de son territoire. Ouais. Si vous prenez les 54 pays africains aujourd'hui, Madame Sike, vous allez vous rendre bel et bien compte que ces 54 pays-là sont menacés par ce qu'on appelle le processus de sécession. Et ce processus de sécession-là ne naissent pas ex nihilo. C'est des mécanismes orchestrés par des puissances occidentales pour diviser à l'effet de mieux régner. Si vous prenez la RDC, il y a l'est du Mali. Si vous prenez le Sénégal, il y a Casamance. Vous prenez le Cameroun, il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Vous prenez le Maroc, il y a le Sahara occidental. C'est-à-dire, c'est des instruments, des mécanismes aujourd'hui, oui, que les États africains devraient comprendre que, en réalité, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de ça au moment où on doit travailler pour l'unité du continent africain. Et je pense que l'exemple qu'on doit suivre aujourd'hui, c'est cet exemple du Mali avec le Burkina Faso et le Niger, qui ont compris que la solution au problème du continent africain, c'est la solution qui passe par le regroupement, par le régionalisme, à défaut, n'est-ce pas, essayer de construire les États-Unis d'Afrique. On ne peut pas aujourd'hui être fort si on est seul. On a été déstabilisés ensemble, oui, et on se relèvera ensemble. Merci à vous, docteur Sang, pour ces analyses. Monsieur Atangana, alors l'enjeu sécuritaire, naturellement, qui prend une très grande place hein, dans le cadre de cette transition aujourd'hui. On le sait d'ailleurs, cela a été l'un des points avancés majeurs par ces autorités de la transition lorsqu'elles ont pris le pouvoir, la sécurité totale du territoire. Et comme l'a d'ailleurs dit ici sur ce plateau le docteur Sango, on voit tout de même des résultats en ce qui concerne cette bataille sécuritaire. Le pays est de plus en plus contrôlé, du moins une bonne partie du territoire est contrôlée par les autorités actuelles. Et c'est justement l'un des arguments phares ou majeurs qui est avancé par les autorités de la transition du côté du Mali, d'où peut-être l'on pourrait peut-être tirer cette conclusion. Vous allez prendre la parole pour peut-être dire qu'à l'heure actuelle, au regard des enjeux, au regard, M. Sango parlait tout à l'heure de cet état-là, de l'AES par exemple, qui a été formé, au regard des nouvelles collaborations, voilà, coopérations renforcées entre le Mali et bien d'autres états tels que la Russie, peut-être qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas encore prêt justement à avancer dans ce sens-là, dans cette l'organisation d'une élection, bien sûr, pour un retour à, entre guillemets, cet ordre constitutionnel. Oui, en effet, j'aime bien le fait que vous mettiez la notion même d'ordre constitutionnel, entre guillemets, parce qu'il faut qu'on lui accorde un sens, nous, les Africains, la notion d'ordre constitutionnel. Et comme je l'ai dit au début, dans l'ordre constitutionnel, devrait... Chez les Africains, ça devrait, dans nos constitutions, on devrait créer un groupe, quelle que soit sa forme. Très bien. Votre question était sur la sécurité. D'abord, je vais rappeler aux uns et aux autres qui nous écoutent, parce que je pense qu'une émission, ça doit permettre aux gens de comprendre les choses. Quelle est la fonction de l'ONU? L'une des fonctions de l'ONU
et l'intangibilité des frontières. L'ONU veille à l'intangibilité des frontières, à la non-violation des frontières. Mais ça, ce n'est valable que pour les pays occidentaux. Comme Dr Sango l'expliquait, quand vous faites le tour de l'Afrique, vous ne voyez que des mouvements de sécession soutenus par des Occidentaux au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de s'auto-gérer. Ce qui n'est pas valable chez eux. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ceux qui savent que le Soudan, d'ailleurs, s'est divisé. Ça n'a choqué personne. Le Soudan et l'Égypte, d'ailleurs, parce que les gens ne savent pas que c'était d'abord Égypte, Soudan, et puis le Soudan s'est divisé en deux. Et puis, il y a des guerres pour les pays d'Afrique que les Occidentaux ne condamnent pas. Et pire, les Occidentaux les supportent. Alors que dans leur propre pays, ce n'est pas acceptable. Personne ne parle de la Corse en France. Personne ne parle de la Catalane en Espagne. Personne ne parle des problèmes qu'on retrouve. Personne ne peut même imaginer. En réalité, ceux qui ont lu la charte de l'impérialisme, c'est clairement écrit dessus. La démocratie, c'est pour les pays ont des frontières, c'est nos pays. La notion d'intangibilité de frontières, c'est les pays occidentaux. Chez eux, on refait les frontières comme on veut, on les divise comme on veut, on les change comme on veut en fonction de nos intérêts. Ça s'applique tous les jours. Un pays qui est déclaré à l'ONU, qui est reconnu par l'ONU, a des frontières déclarées. Comment vous faites pour un jour expliquer que ce pays-là doit être divisé en deux pays sur base de quelques revendications tribales, ce qui m'amuse dans le cas du Cameroun, c'est que l'anglophonie est devenue une tribu. La francophonie est devenue une tribu. Et je ne sais même pas comment on fait pour penser ça. Et quand vous avez quelques personnes, ils vous expliquent, bah oui, comme nous avons été sous domination de l'Angleterre entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, même pas l'espace d'une vie humaine, même pas l'espace d'une vie humaine, alors ça nous a créé une spécificité. Qui était Sawa pendant la période allemande? Je rappelle en passant qu'avant la Première Guerre mondiale, on était tous germanophones. On a oublié, hein? On a même francisé les noms. Quand on dit Charles à Tangana, son nom de baptême était Karl, allemand. Alors ces anciens germanophones, devenus francophones et anglophones, sur base de la ligne de rencontre des armées britanniques et françaises, parce que c'est cette ligne qui a dit qu'il est francophone, et qui est, c'est-à-dire qu'en fait les armées françaises progressaient, les armées britanniques progressaient, sont venues prendre l'armée allemande en tenaille. Cette ligne a dit qu'il est francophone et qu'il est anglophone. Il y a quand même des gens suffisamment cons pour penser que ça fait de nous des tribus différentes. Je ne sais pas comment ils font pour réfléchir, excusez-moi de l'expression d'être un peu vulgaire, mais je ne sais pas. Donc, tout ça, ça permet de diviser pour mieux régner. Et qu'est-ce qu'il se passe là au Mali? C'est le diviser pour mieux régner. On prend quelques petits gars, on leur donne une valeur intellectuelle, magistrat ou corps de métier. Voir quelques bouteilles dans l'ambassade en France. Et puis après, on organise quelque chose. Ça existe aussi chez nous. Hein. Vous savez, nos hommes politiques, parfois, ils sont invités à l'ambassade de France pour aller boire du champagne. Et quand ils reviennent là, ils viennent avec des concepts comme monnaie binaire. Je n'ai prononcé personne. Enfin, c'était une parenthèse. Monnaie binaire, pourquoi? Pour sauver le franc CFA. Comment tu veux dire que chez toi, tu aimerais la monnaie binaire? Ça veut dire que tu veux la monnaie du colon et une que tu crées pour sauver la monnaie du colon. Ça peut sortir d'où ce genre d'idée? Évidemment, après un petit repas arrosé à l'ambassade de France. Bon, je passe. C'est ce qu'il se passe dans cette soi-disant
corps de métier, association, je ne sais plus quoi, corps de métier, qui essaient de revendiquer un retour à l'ordre constitutionnel sans qu'eux-mêmes ne comprennent ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. En réalité, on leur dit, écoutez, allez revendiquer vos droits, on leur donne un peu d'argent pour pouvoir le CFA. D'ailleurs, parce que pour envoyer le CFA chez nous, il suffit de l'imprimer. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas avoir la monnaie dans notre pays. Si vous me donnez le droit d'imprimer le dollar aujourd'hui, je déstabilise les États-Unis. Si vous me donnez le droit d'imprimer le dollar, j'envoie le dollar des mercenaires, je déstabilise le pouvoir américain. Comment des pays peuvent donner à un autre pays le pouvoir régalien d'imprimer sa monnaie? Mais c'est ce qu'il se passe. Ah ben oui, mais c'est ce qu'il se passe, ça ne leur coûte rien, ils impriment du papier, ils viennent vous donner, vous dites, bon, ok, d'accord, on donne quelques millions à quelques personnes, c'est ça la réalité. Je parle là du concret, je n'intellectualise pas le propos. On leur dit, ben, formez une petite coalition pour aller revendiquer le retour à l'ordre conditionnel. Mais c'est quoi le but? Comme docteur Sango disait, c'est quoi notre but? Nous allons vers quoi? L'ordre conditionnel n'existe pas. On est arrivé au coup d'État, pourquoi? Où on va? On veut juste rétablir un principe appelé ordre constitutionnel, où on veut alors penser au bien-être des populations. On se moque de savoir si à la tête du Mali, c'est une monarchie, une totale république. On s'en fout, c'est pas ça le problème. Si les populations sont heureuses, là, nous, on est d'accord. C'est le rôle d'un système politique. Le rôle d'un système politique n'est pas d'appliquer les théories qui sortent dans des livres. On arrive donc. Ben oui, d'accord, c'est quoi la démocratie? Eux-mêmes, ils ne savent pas dans leurs livres. Je dis bien qu'ils ne savent pas parce que ça n'a pas de définition. C'est quelque chose qui s'est imposé à des peuples par des peuples. Et j'aime faire le petit rappel historique. La première, c'est celle américaine. Parce que les Américains veulent s'affranchir de la couronne britannique. Ils vont donc créer la première république, c'est la révolution américaine. La deuxième démocratie, c'est en 1787, en réalité la révolution française, c'est une période longue. C'est parce que les peuples sont assis. Il y a des famines, il y a des disettes, tout le monde crève de faim, les peuples sont exploités par la monarchie. Et qu'en réalité, dans la Révolution française, c'est la petite bourgeoisie non aristocratique qui s'en enrichit, qui veut des droits, parce que les gens ne savent pas que c'est le vote. Instrumentaliser le bas peuple. Oui, je dis bien instrumentaliser le bas peuple. Allez lire le célèbre historien suisse. Monsieur François Guillain, François Guillain, Henri Guillain, Henri Guillemin. Allez lire sa Révolution française, qui a d'ailleurs traité les livres de Châtelet, le grand historien français, comme de l'histoire française à l'eau de rose, romancée. C'est une parenthèse. Voilà cette histoire. C'est de là où naît cette République française. Mais nous, ça naît de quoi? C'est ça la question. Notre question n'est pas de savoir si est-ce qu'il y a un ordre républicain ou un ordre constitutionnel, ce n'est pas ça la question. Nous nous battons pour ne plus être des colonies. C'est ça le sens du propos. Merci à vous, monsieur. Je suis là pour laisser aux autres aussi. Je pense toujours aux autres parce que quand je m'emballe, j'oublie souvent que je ne suis pas sur le plateau. C'est aussi ça le débat, en tout cas. Merci à vous, monsieur. À Tongana, et on l'a aperçu, hein, Nestor Podassier, qui nous a d'ailleurs rejoint dans le cadre de ce débat. Nestor Podassier, vous nous trouvez bien sûr dans ce débat en ce qui concerne l'actualité du côté de Mali. Peut-être aussi rappeler à ceux-là qui nous rejoignent aussi à l'instant la thématique de ce matin. On parle bien sûr de cette saisie, si on va le dire ainsi, hein, de plusieurs corps constitués du côté du Mali, la saisie du Conseil constitutionnel à propos de la durée de la transition au Mali qui était fixée au 26 mars dernier, donc il y a
une semaine, eh bien, ces corps estiment hein, que le pouvoir actuel, dirigé par le président Assimi Goïta, devrait, bien sûr, laisser le pouvoir, organiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, du moins remettre le pouvoir aux civils. Eh bien, il demande à ce que le cours, hein, du moins le Conseil constitutionnel, du moins la Cour constitutionnelle, pardon, puisse trancher en ce qui concerne cette affaire et prendre une décision. On rappelle que dans la requête qu'ils ont déposée, les magistrats et procureurs représentés par certaines organisations qui ont effectivement entamé ou alors initié cette demande, ils invoquent notamment l'exigence de la préservation des acquis démocratiques et demandent également la cessation des atteintes aux libertés publiques. Donc voilà, entre autres mots ou alors entre autres revendications par ces organisations ou accusations, voilà c'est le terme, puisque cela parle de cessation, on accuse le pouvoir actuel d'atteinte aux libertés publiques. Là également, c'est un autre angle que nous allons analyser. Mais avant, Nestor Podesi, on vous retrouve peut-être pour avoir déjà votre avis comme ça, de manière globale sur cette saisie de la Cour constitutionnelle par ces différentes organisations qui demandent à ce que, justement, la durée de la transition soit respectée au Mali. Bonjour tout le monde, bonjour à Forum Média, bonjour à mes copanélistes, et je m'excuse pour le retard. Vous savez, au Burkina, nous veillons maintenant, chaque nuit que Dieu fait, on veille. Donc, j'ai été rattrapé parce que nous sommes rentrés pratiquement au petit matin à la maison, donc j'ai été un peu rattrapé avec le retard, ouais. Le temps d'arriver au bureau. Alors donc, moi, cette saisie, elle est inopportune. Et elle est injuste parce qu'elle montre réellement que ces gens-là qui ont saisi la Cour constitutionnelle, parce que d'abord j'avais entendu parler la semaine passée des syndicats des magistrats, soi-disant-ils, et hier je vois que c'est le 31, c'est les politiciens, ou c'est le 30 je pense, avant-hier, c'est les politiciens et certaines soi-disant organisations de la société civile. Alors, moi je vois que selon mon analyse, mon aperçu, ils sont effectivement en mission commandée. Je ne sais pas c'est quelle mission commandée de qui. Mais pour moi, ces gens-là ne méritaient pas d'aller déposer cette moratoire, bien comme on dit, cette saisine. Mais plutôt, la Cour constitutionnelle devait les réquisitionner pour que les militaires les envoient au front pour les aider à libérer le pays très rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une seule chose que chacun devait revendiquer au Mali. Revendiquer la sécurité, revendiquer la souveraineté du Mali, pour que l'insécurité finisse au Mali et que le Mali retrouve sa souveraineté territoriale à 100%. Voilà ce que chaque Malien devrait revendiquer aujourd'hui. Mais je suis triste de constater qu'on se lève, on prend un droit inventé, importé, pensé, conçu par des gens de l'extérieur. Comment nous devons être fonctionnés? Comment nos sociétés doivent être régies? Alors que tout le monde sait que tout est parti du Mali. La charte du Koulouvankouva, qui est l'un des chartes auxquelles les Nations Unies se sont basées pour écrire les droits de l'homme. Moi, je ne sais pas comment un Mali, culturellement, historiquement, où ces personnes-là devraient se référer à ça avant de déposer cette moratoire, avant de faire cette saisine, ils n'ont pas tenu compte de l'histoire du Mali, ils n'ont pas tenu compte de l'ère à laquelle nous sommes, qui est l'ère du changement, les Africains doivent appliquer, mais qui s'élèvent du coup pour saisir soit une constitutionnelle, une cour constitutionnelle. Je ne sais pas si cette cour constitutionnelle est au-dessus de la souveraineté du Mali. Je ne sais pas en tout cas comment ils ont pensé, comment ils ont réfléchi pour aller saisir cette cour de justice, mais je préfère me limiter là et on va encore plus développer.
Justement, poursuit le développement avec vous, Nestor Podassé. Tout à l'heure, vos copanélistes ont estimé effectivement que peut-être que aujourd'hui, le Mali ne peut pas, du moins ne devrait pas respecter ce calendrier qui nous est imposé. Le Mali, au regard des enjeux, devrait avoir, d'ailleurs, comme tous les autres États de l'AES, devrait avoir leur propre calendrier, car il y a beaucoup d'enjeux, entre autres l'aspect sécuritaire, on le sait aussi, qui a une très grande place ou alors importance dans le cadre de cette transition. Vous également, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a eu cette autre interrogation, est-ce que les autorités maliennes ne devraient pas aussi respecter leurs paroles, parce que ce sont elles qui ont fixé justement cette transition au 26 mars. Alors, comment est-ce que justement on pourrait parvenir à gérer toute cette situation sans pour autant susciter ou alors engager ou entraîner une certaine révolte au sein de la population? Non, 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 moi je ne pense pas qu'il y aura révolte au sein de la population. Parce qu'il faut dire que le peuple burkinabé et malien, c'est un peuple frère, un peuple sœur. On se côtoie tous les jours, on cause entre nous. Même hier, j'étais en échange avec mes connaissants qui sont au Mali. Oui. La population est d'accord pour que Assimi Goïta même déclare la révolution. Parce que toujours, nous avons dit ça dès le départ, qu'il fallait déclarer la révolution et gérer par ordonnance et quitter dans cette histoire de prêter serment à la Cour constitutionnelle et essayer de gérer comme la démocratie conçue par les colons pour nous. Parce que pour aller vite, il faut déclarer la révolution populaire et démocratique telle que Sankara le faisait et gouverner pour pouvoir... Bon, nous avons vu le Mali a essayé de faire la même chose, le Burkina a essayé de faire la même chose. Nous avons vu l'autre là, comment il s'appelle, le Niger, où, je ne sais pas, on n'a pas vu Tchani prêter serment, mais ça roule, ça continue à rouler. Donc pour moi aujourd'hui, si l'AES veut aller loin et réussir, ces trois présidents en transition doivent prolonger, ne serait que de 5 ans de plus, minimum, mais je dis bien minimum, 5 ans de plus, doivent prolonger pour pouvoir bâtir les fondements de notre vision de l'AES, de notre projet, afin qu'on puisse acquérir notre souveraineté complètement. Parce que jusqu'à là, l'AES est en phase embryonnaire. Les choses sont... L'armée de l'AES qui doit être créée dans l'état des trois frontières de l'autre côté. Donc nous pensons que cette transition malienne, c'est vrai, ils ont... Le 25 mars, ceux qui disent aujourd'hui que les autorités n'ont pas communiqué, c'est de la démagogie. Le premier ministre, Ogal Maïga, le premier ministre Ogal Maïga a reçu les partis politiques le 25 mars, oui. Les expliquer pourquoi les élections ne pouvaient pas se tenir et que la transition devra continuer après le 26. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ça. Le premier ministre les a reçus. Tous ces partis aujourd'hui qui crient, le premier ministre les a reçus et il les a expliqué la vision, la démarche auquel l'État malien est actuellement et que les élections, ce n'était pas possible d'organiser les élections à la date indiquée. Et que je pense qu'avant même que Chogel ne les reçoive, si je me rappelle bien, c'est novembre, c'est octobre 2023, le ministre de l'administration territoriale, Ablaye Maïga, le colonel Ablaye Maïga, avait fait un communiqué en parlant des repas qui ne peuvent pas se tenir à la date du 26 mars. De quoi nous parlons ce matin? Si le porte-parole du gouvernement vous avait annoncé que les élections ne pourront pas être tenues au délai prévenu et qu'à la veille encore de l'expiration, comme ils le disent, entre guillemets, je dis bien expiration entre guillemets parce que moi, je ne me retrouve pas dans cette expiration du 26 mars. Alors donc, le Premier ministre les a encore reçus, qui est le chef du gouvernement, qui est le chef de l'exécutif, pour les expliquer les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas tenir les élections et qu'on pouvait reporter. Mais de quoi nous parlons encore? Moi, je ne comprends plus rien. Tout a été clair et mathématiquement, ce n'est pas possible. Et parmi les signataires de cette soi-disant déclaration des partis politiques qui réclament le report des élections, et qui réclament les élections de manière, c'est-à-dire dans le plus bref délai, sans autre forme de procès. Et l'ancien Premier ministre Moussa Mara, son parti fait partie. Et lui, ils font partie des politiciens qui ont
fait tomber le Mali là où il est aujourd'hui. Lui, il devrait plutôt se régir de la récupération de Kidal par les colonels et les gouvernements. Parce que lui, il n'a pas pu récupérer Kidal et il a envoyé l'armée malienne à la boucherie et à l'abattoir en son temps, en 2014. Tout le monde a vu comment l'armée française a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal en 2013. Tout le monde a vu en 2014 comment ils ont tenté la reconquête, ça a échoué un an après que l'armée française les a bloqués. Une deuxième fois, on les a stoppés net. Et depuis lors, c'est 10 ans après qu'ils ont pu reconquérir Kidal. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai, c'est fédérer leur énergie, donner la force aux forces armées maliennes pour qu'ils puissent consolider les territoires conquis et aussi pacifier les zones où encore des foyers d'insécurité de part et d'autre, parce que ce n'est plus des foyers d'insécurité d'envergure d'une certaine nature, mais tout n'est pas encore cessé totalement, surtout dans la zone des trois frontières, où encore l'armée américaine sert de logistique aux terroristes qui viennent attaquer dans cette zone-là de temps en temps, même si ce n'est pas tous les jours comme avant. Donc, je pense que la priorité des priorités aujourd'hui devrait être comment pacifier le Mali pour permettre aux gens d'aller battre campagne tranquille. Mais ce n'est pas le cas. On veut organiser élection, comme on l'a fait en 2013, pendant que le pays était divisé, comme on l'a fait en 2018, pendant que le pays était divisé. Est-ce que nous allons continuer à fonctionner ainsi pour permettre à l'ennemi de continuer à appuyer le Mali, à diviser le Mali et à régner par des politiciens qui se font passer pour des patriotes alors que réellement c'est des sous-préfets téléguidés par Washington ou bien par Paris ou bien par Bruxelles. Il est temps qu'on en finisse avec ce genre de fonctionnement et Assimi Goïta doit taper la main sur la table pour sonner la fin de la récréation. Assez. Maintenant, voici la direction que le peuple veut prendre et aller dans cette direction-là. Et nous l'avons toujours dit, le peuple est avec vous, déclarez la révolution et on avance. Et je sais que ce qui se passe au Mali va servir de leçon au Burkina Faso pour qu'on n'arrive pas à se grouiller, parce que nous aussi, en fin juillet, pour nous, c'est fini. Et chez nous, la charte dans l'article 19 nous permet de modifier et continuer ou de convoquer une assise pour le faire. Donc, le gouvernement a deux possibilités chez nous ici, pour qu'on évite ce brouhaha qui se passe au Mali. Merci. Merci à vous, Nestor Podassé. Docteur Sango, toujours dans le cadre de cette question, on s'intéresse à la sortie du réseau des défenseurs des droits humains au Mali. On rappelle qu'il regroupe une cinquantaine d'organisations locales. Eh bien, selon ce réseau, actuellement, le pays traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Il est temps de sortir de cette impasse, d'autant plus que le dernier report de la transition a expiré au 26 mars. Ça, c'est une déclaration. C'est vrai qu'il y a plusieurs points évoqués dans cette déclaration, mais il y a cette phrase, la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Tout à l'heure, on en parlait, qu'on peut dire qu'on peut poser les bases et après, il peut avoir notre groupe pour une certaine continuité. Bien entendu, Madame Sike, je suis d'accord avec cette position de l'Association des droits de l'homme. C'est vrai, la transition ne peut pas se donner la prétention de résoudre tous les problèmes du pays. C'était comme si ils avaient la baguette magique à toutes les solutions, n'est-ce pas, ici du Mali. Mais ce n'est pas dans cette logique-là que s'inscrivent aujourd'hui les autorités maliennes. Parce que les autorités maliennes ne sont pas en train de dire qu'elles sont immortelles, elles sont éternelles. Elles sont conscientes du fait que l'État reste une institution et que les personnes qui dirigent l'État ne sont que des passagers clandestins qui vont partir. Et l'État va rester debout. Et c'est justement parce que ces autorités-là, elles sont soucieuses de la pérennité de l'État, de la continuité de l'État, qu'elles s'investissent pour poser les bases qui ne vont pas tuer cet État, pour poser les bases qui ne vont pas, n'est-ce pas ici, permettre à ce que cet État-là ne soit pas solide. Ouais. Or, lorsque vous faites l'historiographie politique des États africains aujourd'hui, nous avons la nette impression que les États africains aujourd'hui n'ont pas été des États solides, justement parce que ce principe de la souveraineté, ce principe de base
avait été galvaudé. Donc, c'est cette erreur-là que les autorités maliennes veulent aujourd'hui résoudre. Vous convenez avec moi que lorsque vous construisez une maison, c'est d'abord la fondation. Si la fondation n'est pas solide, vous allez beau mettre des beaux murs et des belles toitures, la maison ne va pas tenir aujourd'hui. Donc, moi, je pense que les partis politiques de l'opposition et les associations des droits de l'homme aujourd'hui doivent converger vers les vraies choses, vers les vraies problématiques. Les vraies problématiques aujourd'hui au Mali, du moins pour ce qui me concerne, ne concernent pas l'élection, ne concernent pas le retour à l'ordre constitutionnel. Vraiment, ça c'est de la distraction. Et il ne faudrait pas que les partis politiques et certaines populations, citoyens maliennes, donnent l'impression qu'au XXIe siècle, ils n'ont pas encore ouvert les yeux pour comprendre que l'Afrique a toujours été manipulée à cause de ce genre de paradigme, à cause de ce genre d'éléments. On parle des droits de l'homme, on parle des élections, on parle du vote, et que sur le terrain, le peuple n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, du bien-être. Le peuple n'arrive pas à vivre normalement. Donc, moi, je pense que les autorités maliennes sont dans une dynamique de rupture, une dynamique de déracinement qui consiste à prendre en main leur souveraineté. Écoutez, il y a un pays qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui, il y a longtemps que les élections devraient être organisées là-bas, mais je n'entends pas comment ces puissances occidentales sortent de leur trou pour demander à ces pays-là d'organiser les élections. Mais l'Afrique ne se prononce pas justement parce qu'on sait que c'est qu'une question qui relève de la politique interne à l'Ukraine. On ne se prononce pas là-dessus parce que c'est leur problème. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, on donne toujours l'impression que l'élection est la panacée aux problématiques, n'est-ce pas, des pays africains aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un magicien pour voir que le mal de l'Afrique, même si à un certain niveau, la responsabilité des Africains peut aussi être interpellée, la cause épicentrique du mal de l'Afrique, c'est la colonisation. On ne doit pas passer de midi à 14h pour le dire. C'est cette rencontre-là entre l'Afrique et l'Occident. Et on voit bel et bien que cette colonisation-là a du mal à partir. Plus le temps passe, plus les turéféraires de cette colonisation-là travaillent pour la consolider davantage. Si on ne prend pas en compte cette réalité-là, ça veut dire qu'on n'a rien compris, n'est-ce pas, de l'Afrique. Ça veut dire qu'en réalité, nous restons des bons esclaves qui nous contentons, n'est-ce pas, de cette situation. Or, Thomas Sankara était clair à son époque. Un esclave qui ne combat pas pour sa liberté, pour sa souveraineté, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc aujourd'hui, l'Afrique est dans cette situation-là où elle a été cet esclave-là. Et elle veut, les acteurs de cet esclavage-là veulent encore la maintenir dans cet esclavage. Donc, ce n'est que logique que cet esclave que nous sommes, cet ex-esclave que nous étions hier, que nous travaillons pour mettre un terme à ce processus d'esclavage. Vraiment, je dis encore que ces associations des droits de l'homme-là, ces partis politiques d'opposition-là, doivent mettre un terme à ce genre de manipulation. Parce que quoi? Parce que... Lorsque vous voyez le processus de colonisation, d'esclavage et même d'impérialisme que l'Afrique a subi pendant des siècles aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est maintenu avec et aussi le consentement et le concours de certains Africains. Ce que nous appelons les Andos, les Andocolons, Madame Siki. Donc aujourd'hui, et si nous sommes d'accord que Assimi Goïta et ses pères et sa population ont réussi à se débarrasser du colon exogène, il est aussi important de s'attaquer à cet endocolona endogène qui reste aussi redoutable que celui exogène. Aujourd'hui, on voit bel et bien que lorsqu'un Africain est tué, il est tué par la main d'un autre Africain. Ce n'est pas le blanc qui vient tirer directement sur un Africain. Ouais. Ce n'est pas le blanc qui vient déstabiliser directement un autre Africain. On utilise un Africain pour déstabiliser un autre Africain. Mais attendez, 55 ans après les indépendances, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre que nous sommes manipulés?
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre que nous nous livrons à des guerres de procuration? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre que ce que nous faisons là ne profite pas au continent africain? Donc, il y a une conscientisation qui mérite d'être menée. Et vous comprenez pourquoi, à son époque, Kwame Nkrumah avait lancé l'alerte dans son ouvrage « Le conscientisme ». Parce qu'il avait compris que le problème également, c'est la conscientisation des masses. Il y a certains Africains qui n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, on doit travailler pour nous libérer. Qui n'arrivent pas à comprendre que la colonisation a été un constructivisme des Blancs pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Je dis toujours que la colonisation, elle est dans nos maisons. On n'a pas encore réussi à nous affranchir de la colonisation. Elle est dans nos maisons. Lorsque vous voyez le comportement de vos enfants à la maison, lorsque vous voyez nos comportements au quotidien, on a encore la nette impression que nous restons caractérisés par tout ce qui relève de la dynamique occidentale. D'accord? Lorsque vous servez un enfant un plat de riz à la maison, vous allez obliger à cet enfant de manger ce riz-là avec de la fourchette. En disant que non, le riz se mange avec la fourchette. Est-ce que si je prends la cuillère pour manger le riz, et je ne vais pas le manger. Donc, c'est des mentalités, peut-être, n'est-ce pas ici, petites, mais qui ont un symbole, n'est-ce pas, d'encervellement très élevé. Les films, l'habillement, la façon de se nourrir, tout ça, on doit comprendre qu'aujourd'hui, il est urgent de restaurer nos valeurs. Et c'est pour cela que l'association Keepers, je vais toujours revenir là-dessus, parce que nous sommes toujours en train de planifier et de proposer des solutions à l'Afrique. Ouais. L'association Keepers reste aujourd'hui l'un des passages obligés pour libérer l'Afrique de ce phénomène d'impérialisme-là aujourd'hui. L'association Keepers est claire dans ses objectifs et dans ses projets, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un projet de 10 000 élus panafricanistes que porte cette association-là, qui vise, n'est-ce pas ici, à porter au niveau des pôles de responsabilité des panafricanistes qui vont travailler pour les intérêts du continent africain. Mais cette association travaille aussi quotidiennement pour inculquer dans les troncs cérébraux spinaux des Africains les valeurs africaines. Et cette conscientisation dont je vous parlais, et nous sommes en train de faire ça quotidiennement dans l'association Keepers pour dire qui est la, qu'est-ce que l'Afrique, qui est l'Africain, d'où vient l'Afrique, pour définir le type d'homme à promouvoir aujourd'hui et l'idéal, n'est-ce pas, de la société à promouvoir. Donc, moi, je suis en train de dire tout simplement que ces partis politiques de l'opposition là aujourd'hui viennent de rater une fois de plus une occasion de se crédibiliser. Oui. De se crédibiliser parce que ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous allez donner la nette impression d'embrasser toutes les problématiques qui, à mon avis, n'ont pas de sens. Je vous ai dit aujourd'hui que lorsque un pays est en danger, il y a toujours un dénominateur commun sur lequel les acteurs de ce pays-là se mettent ensemble. Lorsque vous voyez, par exemple, les pays occidentaux, parce qu'il faut toujours faire une analyse comparative pour comprendre, n'est-ce pas, l'enjeu du continent africain. Lorsque vous voyez les pays occidentaux aujourd'hui et la nature des partis politiques qui caractérisent ces pays-là aujourd'hui, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite en France, il y a un dénominateur commun qui caractérise ces acteurs politiques de telle sorte que même si c'est un président de gauche qui arrive au pouvoir, il ne devra pas franchir cette limite-là. Concernant par exemple la politique étrangère de la France, vous avez la nette impression que chaque fois qu'un président arrive à la tête de la France, il y a une sorte de continuité. Oui. On a vu les discours salvateurs de certains présidents qui ont dit qu'ils ne sont pas là pour la continuité de la France-Afrique. Mais vous avez vu sur le terrain qu'en réalité, ils travaillent pour cette consolidation. C'est la même chose aux États-Unis. Que vous soyez du camp républicain ou alors du camp démocrate, vous avez la même ligne directrice que vous ne saurez déroger. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on n'arrive pas à voir ce dénominateur commun sur lequel on devrait, n'est-ce pas, essayer de travailler ensemble? Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui constituent des données à voir, qui devrait interpeller, n'est-ce pas ici, un donné à penser pour que cette crise de conscience que nous traversons aujourd'hui puisse constituer un élément de conscientisation
pour les Africains à l'effet, n'est-ce pas, de poser des actions, oui. Non pas pour sauvegarder et satisfaire les intérêts personnels égoïstes, mais pour permettre à ce que l'Afrique, dans sa généralité, puisse se libérer de ce phénomène machiavélique de la France-Afrique, de la colonisation et de l'impérialisme. Avant peut-être d'envoyer la parole de l'autre côté, en deux minutes, docteur Sango, que dites-vous de ces accusations, rapidement peut-être, hein, puisqu'on fait allusion justement aux accusations d'atteinte aux libertés publiques également. Oui, madame Sike, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas confondre liberté et libertinage. Pourquoi? Parce que si nous sommes tous d'accord que la liberté est une bonne chose, d'accord, oui. Celle-ci serait davantage une bonne chose si elle nous permet de nous développer, si elle nous permet, n'est-ce pas, d'atteindre un certain nombre, n'est-ce pas, de bonheur. Il faut toujours procéder par comparaison pour comprendre que, regardez les pays occidentaux. Oui. Les pays occidentaux aujourd'hui qui se présentent comme le berceau des droits de l'homme, le berceau de l'humanité. Il y a un siècle aujourd'hui, ou il y a deux siècles aujourd'hui, ces pays-là étaient des monarchies renforcées. Oui. Ces pays-là étaient des dictatures. Et c'est dans ces monarchies, ces dictatures, que ces pays-là se sont développés. Ces pays-là se sont développés dans ces dictatures parce qu'ils avaient compris que on ne se développe pas dans la démocratie. Oui. Lorsque vous avez fixé un cap en disant que ici la route doit passer, vous ne demandez pas l'avis de qui que ce soit parce que vous savez que cette route qui doit passer là va servir, n'est-ce pas, à l'intérêt général. Donc à partir du moment où ces pays occidentaux ont construit leur pays, ont développé leur pays, ils se sont donc ouverts à la démocratie parce qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'ils n'ont plus besoin du développement. Or, c'est cette démocratie-là que eux, ils veulent imposer au continent africain, au moment où ce continent-là n'a même pas encore décollé. René Dumont disait que le continent est mal parti, mais il n'est pas du tout parti. Il n'a même pas encore décollé. Oui. On vient vous imposer une démocratie qui va vous empêtrer encore dans cette misérabilité, n'est-ce pas, en une autre pareille. Donc, moi, je pense que la liberté est une bonne chose, mais on ne doit pas l'instrumentaliser. On doit savoir qu'elle l'est davantage si elle vous permet, n'est-ce pas, de vous développer et d'être surtout dans le contexte actuel du côté du Mali. Il y a certainement des restrictions, ou du moins, voilà. Merci à vous, docteur Sango. On rappelle simplement à nos téléspectateurs, le standard est ouvert. Vous pouvez donc à tout moment participer, peut-être lire ce message. Bonjour au plateau, c'est Félix de Yaoundé, bien sûr du côté du Cameroun. Ne perdons jamais cette recommandation de Macron à son corps diplomatique à l'Élysée après son éviction du Sahel. Il leur disait « Nous allons retourner au Mali, il y a bien des gens là-bas qui ont besoin d'argent ». Fin de citation. Alors l'Afrique, c'est le message de Félix continue, l'Afrique doit traquer l'ennemi interne, c'est-à-dire celui-là qui accepte les mallettes d'argent de l'Occident pour l'aider à déstabiliser l'Afrique. Ils doivent être impitoyablement traqués et neutralisés car c'est eux le problème de l'Afrique. Merci à vous, Félix, depuis Yaoundé pour ce message et cette participation. Monsieur Atangana, alors, entre autres, je ne sais pas si je dois dire accusation, mais voilà ce qui revient de l'autre côté en ce qui concerne cette transition aujourd'hui. On estime que la Russie, ou du moins Moscou, serait derrière cette posture qu'adoptent aujourd'hui les autorités maliennes, simplement pour préserver leurs intérêts. On le sait, Moscou occupe déjà, les relations sont renforcées entre la Russie et un pays comme le Mali, au détriment d'un pays comme la France, d'ailleurs, qui a plié ses bagages après la demande des autorités maliennes. Alors, ils estiment de ce côté-là que la Russie pourrait être derrière ou alors encourager cette posture malienne simplement pour préserver également ses intérêts. Oui, déjà dire que la France est partie, je ne sais pas si elle est vraiment partie, parce que je poserai quand même une question a priori. Oui. Ces groupes politiques et de métiers-là, qui les financent? Ces groupes qui, soi-disant, revendiquent
un ordre, retour à l'ordre constitutionnel. Qui les finance? Vous croyez, vous comprenez pourquoi j'ai dit à un certain moment de mon propos que si vous me donnez le droit de battre le dollar, je déstabilise les États-Unis. Ouais. Et il y a un monsieur qui vient d'envoyer un message, je n'ai pas retenu son nom, et qui disait, Macron disait qu'il y a des gens qui ont bien besoin d'argent là-bas. Tout à et fait. On va revenir. Voilà. Ça, c'est la première phase de tout ça. En fait, du moment où la France bat monnaie pour ces pays-là, la France peut payer n'importe qui et le mettre à ses ordres. Et beaucoup de Camerounais ne se souviennent même pas de l'histoire du Cameroun. Comment Aïdjo se retrouve et fait un coup d'État à André-Marie Bida? On a donné à des députés la somme, et c'est écrit, hein, ne vend pas de 200 000 francs CFA chacun, pour qu'ils lâchent André-Marie Bida. Et on a pris Aïdjo qui venait de nulle part, qui n'avait pas de combat politique, qui n'avait pas de posture politique, on l'a mis là. On leur a donné 200 000 francs CFA. À l'époque, 200 000 francs, c'était une fortune. Pour ceux qui ne savent pas, le franc CFA était plus fort que le franc français avant 1960. C'est un petit rappel historique. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous alliez en France avec 1 000 francs CFA, on vous donnait 2 000 francs français. Je leur dis, quand vous allez en France avec 1 000 francs CFA, on vous donnait 2 000 francs français. C'est à partir du 1er janvier 1960 que la France va passer de l'ancien franc au nouveau franc français en évaluant le franc français. Ils vont donc passer au franc lourd. C'est à ce moment que un franc français va devenir 50 francs CFA. Je m'arrête quelques instants pour laisser aux gens le temps de réfléchir. Tout à fait. Eh bien, il dit le 1er janvier 1960, le 26 décembre 1959, De Gaulle signe des accords obligeant les pays africains à déposer au trésor français. À votre avis, sur base de quoi on a réévalué le franc français? Sur le base des accords du 26 décembre 1959. Qui nous oblige à déposer, et c'est ça qui a donné la force au franc français. Je rappelle en passant qu'à l'époque, toutes les monnaies sont reliées à l'étalon or. Le change flottant va intervenir à partir de 1974 avec Nixon. Enfin, pour que les gens comprennent, le franc français était donc bel et bien plus puissant. Les gens qui disent bien plus puissant. Et ce que je vous dis, vous allez tout de suite sur le site de la BA, n'importe quoi, vous allez écrire. C'est écrit. Je n'invente rien. Vous tapez le site de la BA, vous regardez le taux de change. C'est écrit. Donc la force du franc français va naître de ces accords du 26 décembre 1959 qui vont nous obliger à déposer toutes nos réserves à 100% au trésor français, nos réserves de change. Un crime. Mais c'est tellement fin intellectuellement que même nous-mêmes, on n'a pas compris. Très bien, c'est pas seulement ça. Mais maintenant, en plus, ils battent notre monnaie. Parce qu'il n'y avait pas de bien. Ils vont donc prendre 200 000 francs français à l'époque. Une fortune. 200 000 francs à chaque député camerounais. Qui équivalait à l'époque à 400 000 francs français. Le travail de toute une vie chez un français. C'est pour ça que j'ai répété. Et ça aussi, c'est écrit. Dans les histoires, je n'invente rien. Et les députés qui étaient des députés, d'ailleurs, du côté d'André-Marie Bida, ont laissé tomber pour rejoindre Aïdjo, pour avoir été payés. C'est pour vous dire que la trahison, la mesquinerie, existe depuis très longtemps. J'espère d'ailleurs que dans les camps panafricanistes, ils resteront fidèles au panafricanisme longtemps. Ouais, parce qu'on peut les acheter aussi. Très bien, ça c'était une petite parenthèse. Voilà, je me souviens même plus de la question parce que je suis rentré dans des explications. Des explications qui nous permettent, qui nous ont permis de comprendre un certain nombre de choses, des explications importantes, monsieur Atangana. Mais ce lien, justement, ces accusations contre la Russie, hein, qui
pourrait être derrière cette posture malienne aujourd'hui, qui les autorités actuelles qui finalement restent au pouvoir après cette date fixée, du moins de la fin de la transition. C'est plutôt une rhétorique. Accuser la Russie de tous les problèmes qu'il y a en Afrique. Maintenant, certains hommes politiques français se démarquent d'ailleurs de ça. Et il se fait qu'après les indépendances, les Français ne sont pas vraiment partis. Ils ont tout promis de nous apprendre à gérer la monnaie, de nous apprendre la démocratie, de nous apprendre tout ce que vous voulez, d'écrire nos constitutions. Parce qu'on ne savait pas très bien ce que c'était, nos grands-parents ne savaient pas très ça. Et on a juste dit, on ne veut plus la colonisation. Ils nous ont dit, on va venir vous aider à vous décoloniser. On va vous apprendre ce que c'est qu'une constitution. On va vous apprendre ce que c'est que les lois. On va vous apporter le code napoléonien. Oh, oui, et nos grands-parents qui ne comprenaient pas tout ça, ils ont cru. Quel est le bilan quelques années après? Et la Russie était là. Et le bilan, il y a africain, il y a les délestages. Même ceux qui sont producteurs d'énergie. Nous, on vend le pétrole pour qu'ils fassent des centrales thermiques qui produisent l'électricité. Ils ont le courant 24 sur 24, mais avec notre pétrole, tous les pays africains, notre uranium, tous les pays africains, avec nos énergies, nos gaz et tout ça. Mais tiens, tiens, pourquoi ces centrales thermiques ne marchent pas chez nous? Ah oui, pourquoi ça ne marche pas chez nous? On dit, mais non, mais vous n'avez pas besoin. Quand vous êtes des Africains, quand vous êtes des Noirs, utilisez des lampes tempêtes, ça ira pour vous. Mais l'énergie, c'est pour nous. Je rappelle d'ailleurs que dans ces accords de 1959, du 26 juin 1959, le pétrole est ce que De Gaulle appelait de la matière stratégique. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le pétrole sans l'accord de la France. Nous ne pouvons l'utiliser que si papa la France a accepté. C'est écrit dans les accords. Et d'ailleurs, nous ne pouvons rien vendre à un autre pays sauf à la France. Nous ne pouvons le faire que si la France ne veut pas s'en occuper. Ben oui, mais c'est ça, c'est écrit. Je n'invente rien. Expliquez-moi comment vous voulez vous développer avec. Un demi-siècle après les indépendances, plus, on en est à cela. Et vous êtes en train d'expliquer aux gens que ces mouvements, c'est à cause de la Russie. Mais enfin, je crois que c'est un peu trop facile. Ça. Enfin, on nous prend là pour des enfants. On pense que l'Africain, il est tellement bébête qu'on va lui dire ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui. On lui dira ce que c'est que la démocratie, ce que ce n'est pas, ce n'est pas. On lui dit tout. On lui dit même pourquoi il revendique. Ah non, Africain, tu ne peux pas revendiquer par toi-même. Pour que tu puisses revendiquer, il faut la Russie derrière. Ce n'est pas possible. Moi, je veux bien qu'ils continuent à nous prendre pour des cons. Mais ce que je n'accepte moins bien, c'est quand un con me prend pour un con. Aïe, j'ai que ma langue à fourcher, s'il vous plaît, je retire mes mots. Merci, merci une fois de plus à vous, monsieur Atangana. Rapidement, on va lire d'autres messages avant de faire l'autre tour de table, certainement pour sortir de cette émission. Tina Lungore, mais pourquoi ils ne vont pas demander à l'Ukraine de faire des élections puisque ça fait un an que le président ukrainien a fini son mandat? C'est vrai que c'est une question, docteur Sango, assez essentielle quand même. Hein. Vous l'avez d'ailleurs soulevé sur ce plateau du côté de l'Ukraine. Mais il faut rappeler que effectivement là-bas, on met en avant ce conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Et on estime que le pays ne peut pas encore organiser d'élections. Elle poursuit, la Guinée a fait un coup d'État avant le Mali, alors pourquoi l'opposition ne leur demande pas de faire d'élection? Notre message de Marc, pas d'élection pour l'instant. Je demande au président Assimi Goïta et ses amis, ainsi qu'au premier ministre Kokala Maïga, de ne pas répondre à ces politiciens charognards. Nous serons là pour répondre à ces faux politiciens du Mali. Soutien à Assimi Goïta et Kokala Maïga. Merci à vous, monsieur Marc. Alors,
Nestor Podassé, pour rester sur ces accusations. Là, on sort un peu peut-être du cadre national malien même, du moins même si ça concerne toujours le Mali, pour peut-être toucher, on reste dans la géopolitique avec la question de la Russie qui rentre effectivement également en jeu. Aujourd'hui, alors que la Russie a renforcé et développé ses liens avec le Mali, pendant ce temps, la France a plié bagage, même si M. Atangana a estimé, en tout cas, qu'il n'est pas très sûr que la France soit partie du Mali. Mais voilà, Nestor Podassé, est-ce que vous également, vous pensez, parce que c'est l'autre interrogation, d'ailleurs ces accusations, que le Mali aujourd'hui ne pourrait pas prendre cette posture d'elle-même, est-ce qu'il faudrait qu'elle soit manipulée par un État tiers comme la Russie? Donc on est toujours dans une sorte d'infantilisation justement des États africains. Allô? Oui. Bonjour. Oui, Nestor. Oui, j'avais reçu un appel, ma connexion était un peu interrompue. D'accord. Ok. Je reprends la question, peut-être pour vous permettre de répondre mieux aisément. Est-ce qu'on reste dans la posture, hein, dans la posture de, du moins, ces accusations qui touche aussi la Russie, qui pourrait être derrière cette décision des autorités maliennes, en tout cas de continuer à rester, à gouverner le Mali. Est-ce que vous pensez que la Russie pourrait être impliquée? Allô, Nestor Podassé? Allô? D'accord, je pense que Nestor est en train de je crois qu'il a des petits soucis techniques, peut-être de réglage. De toutes les façons, on refait le tour de table aussi, hein, pour voir sortir de cette émission. On reviendra certainement vers vous, on l'espère, Nestor, docteur Sango, puisqu'on est en train de sortir. Nestor, on me signale que votre micro est fermé. Si vous pouvez l'ouvrir, le temps pour nous de commencer ce tour de table, docteur Sango, peut-être. J'aimerais aussi avoir votre réponse, hein, en ce qui concerne votre impression, en ce qui concerne la Russie qui est également indexée et pourquoi pas sortir peut-être avec des propositions face à cette situation du côté du Mali. Madame, c'est un vocabulaire et un discours nauséeux et nauséabond que certaines personnes prêchent sur cette scène internationale. Un discours nauséabond qui consiste à dire que l'Afrique ou l'Africain serait un éternel enfant qui ne pourra pas prendre en charge sa liberté, sa souveraineté. C'est vraiment tellement nauséeux que lorsque vous entendez certains Africains s'inscrire dans cette dynamique-là, ça pose vraiment problème. Ça pose problème parce que c'est une fois de plus une manipulation des médias mainstream, des médias occidentaux qui veulent instrumentaliser et distraire l'opinion africaine. Ce que les autorités maliennes, ou du moins ce que les États de l'AES prêchent aujourd'hui comme discours sur le plan international, du moins le message qui se cache derrière leur organisation, c'est quoi? C'est que l'Afrique n'a plus besoin d'un maître. L'Afrique n'a plus besoin d'un maître. Et ne quitte certainement pas d'un maître à un autre. Pour un autre. Absolument. L'Afrique n'est pas aujourd'hui dans une dynamique où elle va sortir de la bouche du lion pour aller entrer dans la gueule du loup. Non, on n'a plus besoin de l'assistanat. C'est terminé. Plusieurs décennies après, on dit c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de sa souveraineté. L'Afrique a besoin d'évoluer sur le plan international comme un acteur autonome et souverain. C'est le discours que nous prêchons aujourd'hui en tant que panafricanistes et que les États de l'AES sont en train d'implémenter. Donc lorsqu'on dit aujourd'hui que chaque fois qu'un Africain ou un président africain pose un acte, et c'est la Russie qui serait derrière cet acte-là,
c'est vraiment un élément sur lequel on ne devait pas souscrire. On doit savoir que nous sommes en guerre contre les pays occidentaux, ouais. Et cette guerre-là est davantage aussi communicationnelle. On tout doit savoir que c'est des manipulations, c'est de la communication orientée et instrumentalisée à laquelle on ne devrait pas, n'est-ce pas, essayer donner un intérêt. Pour sortir, je vais tout simplement dire que aujourd'hui, on doit tout simplement rester concentré. On doit tout simplement rester concentré dans le sens de prendre à main notre souveraineté. Et moi, je pense que le combat, je vais toujours revenir sur cette conscientisation. Cette conscientisation qui va permettre à ce que ce genre de manipulation ne puisse plus pénétrer dans les consciences africaines. On ne doit plus laisser croire que l'Afrique travaille aujourd'hui avec la Russie dans le sens d'un paternalisme nouveau. Non, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de sortir de ce partenariat unique imposé par les puissances occidentales. On a longtemps subi ce paternalisme monocolore qui ne permettait pas aux pays africains de voir ailleurs. Or, dans le concert des nations, et vous convenez avec moi qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Bien sûr. Même les États-Unis aujourd'hui sont dans les relations internationales. Ils sont partout. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien chez eux. Les pays sont appelés à s'interchanger. Donc, dans cette dynamique donc, des relations internationales, il faudrait donc que l'Afrique ait, n'est-ce pas ici, la liberté de travailler avec qui elle veut sans que personne ne puisse lui demander des comptes. C'est ça qu'on appelle être souverain sur le plan international. Et c'est le combat que l'Afrique est en train de mener aujourd'hui. Parce que lorsque vous faites l'historiographie politique des relations internationales africaines, vous allez vous rendre bel et bien compte que l'Afrique procédait comme étant un sujet, comme étant une entité réductionniste et qui se cachait sur un pôle contre un autre pôle. On a fait de l'Afrique, n'est-ce pas, cet élément qui devrait tout simplement s'aligner derrière un camp, alors que l'Afrique, en tant qu'acteur des relations internationales, est aussi capable de définir sa position et de l'assumer sur le plan international. Vous avez vu récemment, dernièrement, là, quand le conflit russo-ukrainien a éclaté, on a voulu imposer à l'Afrique ce phénomène d'alignement de l'époque où on voulait que l'Afrique vote massivement contre cette opération spéciale militaire russe au niveau des Nations Unies. Vous avez vu le comportement différentiel des États africains. Donc aujourd'hui, nous disons que nous n'avons plus besoin de ce genre de diktat. Nous n'avons plus besoin de nous aligner derrière quelqu'un contre une autre personne. Oui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'assumer notre position et d'évoluer de manière souveraine sur le plan international en cherchant nos intérêts. Et il se trouve donc qu'aujourd'hui, la Russie se présente comme un partenaire fiable avec qui l'Afrique peut capitaliser sur un certain nombre d'éléments en ce qui concerne son développement. Pourquoi ? Parce que la Russie, contrairement aux pays occidentaux, ne vient pas avec un esprit paternaliste, ne vient pas avec l'objectif de spolier vos matières premières et vos ressources naturelles, parce qu'elle-même, elle en a dans son sous-sol. Elle vient justement parce qu'elle veut vous permettre aussi de gagner sur ce qui concerne, n'est-ce pas, ici, vos matières premières et vos ressources naturelles. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que dans les relations internationales, c'est les intérêts, d'accord? Bien sûr, on va toujours épiloguer, on reviendra toujours sur ce principe cardinal des relations internationales. Il se trouve donc qu'en réalité, la Russie également est en Afrique. Ce n'est pas parce qu'elle aime l'Afrique, ce n'est pas parce qu'elle est tellement philanthrope. Non, elle vient en Afrique justement parce qu'elle a aussi son intérêt qu'elle cherche sur le plan international. Alors si ces intérêts-là entre les États en réalité ne se ressemblent pas, ne sont pas souvent de même nature sur le plan international, du point de vue géostratégique et géopolitique, il arrive parfois que ces intérêts-là se rapprochent sur un certain nombre d'éléments. Il se trouve donc que l'intérêt national de la Russie, qui est focalisé
autour de sa politique étrangère, qui n'est rien d'autre que l'implémentation d'un monde multipolaire, oui, coïncide aujourd'hui avec l'intérêt des pays africains dans leur ensemble. Parce que l'intérêt des pays africains aujourd'hui, du moins pour ceux qui sont encore éclairés, c'est de se libérer de ce colonialisme ambiant, n'est-ce pas, auquel les pays occidentaux les ont soumis pendant plusieurs années. Vous voyez donc que l'implémentation d'un monde multipolaire de Vladimir Poutine passe indubitablement par la libération de ces États africains qui ont été, n'est-ce pas, maintenus dans l'esclavage. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un monde multipolaire lorsque certains États encore dans le monde continuent d'être colonisés, continuent d'être, n'est-ce pas, ainsi spoliés à travers l'impérialisme. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité capitale, j'ai envie de dire fondamentale, oui, que l'Afrique doit aujourd'hui capitaliser avec la Russie. Ce n'est pas dans le sens que la Russie devient un nouveau maître, non. C'est dans le sens que la Russie peut aussi faciliter le développement et la libération du continent africain. Pour sortir, l'exemple de ce que j'ai dit est sur cet accord, oui, que la Russie vient de paraphrer avec le Burkina Faso en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'industrialisation nucléaire. Vous avez vu le cahier des charges, un cahier des charges qui obéit au principe de la souveraineté des États. On a d'abord eu la formation, après l'opinion commune et ensuite la construction des infrastructures. Lorsque vous voyez ce cahier des charges, vous comprenez bel et bien que la Russie reste vraiment un partenaire sérieux dans le concert des nations. Merci à vous, docteur Sango. Monsieur Atangana, rapidement, on poursuit ce tour de table. En quelques minutes, proposition face à cette situation du côté du Mali. Est-ce qu'on doit ignorer justement cette saisine de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il faudrait poser un acte? Tout simplement, continuer sereinement cette transition au Mali. Moi, je pense que le Mali est en état de guerre. Et quand on est en état de guerre, comme dans tous les pays du monde, on réquisitionne les moyens de l'État. Et comme dans tous les pays du monde, la France est un exemple d'ailleurs, quand le pays est en état de guerre, tous les hommes politiques s'alignent derrière le chef de l'État. Toutes tendances confondues. Et je pense que pendant cette période transitoire qui permet à la France, enfin au Mali, de recouvrer sa souveraineté totale, Monsieur Assimi Goïta doit réquisitionner tous les moyens du pays. Et quand je dis tous les moyens du pays, que ce soit les moyens intellectuels ou matériels, c'est ça qu'on appelle un état de guerre. Il doit déclarer ça. Ou un état de révolution, en tout cas un régime spécial. Et qu'après ce régime spécial, quand l'intégrité du pays est restaurée, là, on va donc relise, comment dire, en anglais. Alors on peut commencer à discuter. Mais laisser qu'au moment où le pays se bat pour retrouver l'intégrité de ses frontières, au moment où les gens vont au front quelques petits, je ne sais pas, dès qu'on leur a poussé quelques billets dans les poches, arrivent et disent qu'ils veulent le retour à l'ordre constitutionnel, par la litre, enfin, je crois même qu'on se moque un peu de la gueule des gens là. Enfin, ce n'est pas la volonté de la majorité des Maliens. Tu dois donc déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre de façon unilatérale et de réquisitionner. Ça, c'est le conseil que je lui donne. Ouais. Je n'ai pas de conseil à lui donner d'ailleurs, mais je pense que c'est ça qu'il doit faire. De laisser, de ne pas suivre ces petits groupuscules dont on ne sait pas par qui ils sont financés, venir perturber la bonne marche du Mali. Et cette bonne marche du Mali, elle est constatée par tous les pays africains, tous les observateurs. Je ne connais pas personnellement M. Assimi Goïta. Mais ça, c'est quand même une des fiertés africaines actuellement. Et voilà, en tout, j'essaie d'être bref en même temps parce qu'on sort. Merci à vous une fois de plus, monsieur Atangana. Et Nestor Podassé, je ne sais pas si finalement il a réussi à. Vous avez réussi à régler votre son, votre micro. Peut-être pour sortir, Nestor Podassé.
Oui, madame, je suis là. Oui, d'accord. On est en train de sortir, Nestor Podassé, hein, des propositions, pourquoi pas, face à cette situation du côté du Mali, peut-être pour que la situation ne s'enlise pas. Que devraient faire les autorités maliennes? Continuer, bien sûr, sereinement le processus de la transition dans le pays? Moi, je n'aime pas trop cette phrase transition-là. Pour moi, les autorités maliennes doivent arrêter de caresser et déclarer, proclamer la révolution populaire démocratique, Oui. où ils vont gérer le pays avec les décisions de la base, qui est la population, créer des cadres où la population va s'exprimer pour que l'information remonte au plus haut sommet. Et je pense que le peuple doit être la boussole de leur gouvernance. Et déclarer une révolution pour refonder le pays. Maintenant, celui qui va oser boucler et ouvrir sa bouche pour crier au perroquet un peu de gauche à droite, il faut la faire boucler la personne et travailler à refonder profondément le Mali. L'Afrique en a besoin pour se développer. L'Afrique en a besoin pour s'émanciper. L'Afrique en a besoin pour sa souveraineté vraie. Ce n'est plus le temps où l'impérialisme va payer des gens, soi-disant société civile ou parti politique, pour venir déranger le chemin de l'émancipation, le chemin de la souveraineté que nous avons pris. Parce que si nous voulons la souveraineté, nous devons oser. Et si nous avons osé, nous devons avoir le courage d'aller. Et celui qui n'est pas prêt à payer le prix, il doit être mis de côté. C'est pour cela que Frantz Fanon, en 1963, dans sa publication, a dit: la dernière bataille contre la néocolonisation, ce n'est pas contre le colonisateur lui-même, mais c'est entre les colonisés qui sont localement implantés au Mali. On a vu un colonel félon qui fait un écrit qui accuse l'armée de génocide, alors que lui-même, il fait partie de l'armée. Contre cette même armée, il écrit. Donc, ça veut dire que c'est un apatride. Nous avons vu ici l'armée française venir bombarder des Maliens qui étaient en mariage à Bounti, des enfants, des femmes sont morts. Cette colonelle-là, est-ce qu'il a mentionné ça? Ce qui saisit aujourd'hui, soi-disant, ce syndicat des magistrats, l'armée française a pillé le Mali pendant plus de 10 ans, tué des Maliens, exercé des Maliens, exécuté des Maliens, extrajudiciaire. On a bombardé des enfants, des femmes qui étaient en mariage. L'armée française a aidé les rebelles en 2014, tué l'armée malienne pour les empêcher de prendre Kidal. Et on les a bloqués. Pendant 10 ans, ils ne sont pas pu mettre pied à Kidal. Est-ce qu'il y a un magistrat au Mali, il y a un procureur au Mali, et il ne s'était pas auto-saisi de ce dossier-là? Alors, il faut la boucler une bonne fois pour toutes. Les partis politiques qui s'agitent, qui étaient dans les affaires, tels que ADEMA et autres éléments, qui ont foncé le Mali là où il est aujourd'hui, dans le gouffre, et les militaires sont en train de se battre pour faire sortir Mali du bourbier, qui osent ouvrir la bouche. Si c'est ici, les patriotes FC que nous sommes, nous allons régler lui son cas. Donc, que l'autorité malienne les fait boucler leur boucle de perroquet là rapidement. Et puis que le pays soit dirigé. Parce qu'on a l'impression que le... Voilà, malheureusement, je pense qu'on a perdu Nestor Podassé. Malheureusement, merci en tout cas, Nestor Podassé. Merci pour cette conclusion. Je pense que on se retrouvera certainement dans une prochaine édition où on développera mieux autour de l'actualité en Afrique. Merci d'avoir été là également, monsieur Atongana. Merci d'avoir partagé ce plateau de For You Matin ce jour, sans vous oublier, docteur Sango. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On ne vous oublie pas également, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos messages, également votre participation. On vous souhaite donc une très très belle journée en compagnie de nos programmes sur For You Media Africa. Quant à moi, je vous retrouve dans 1 heure exactement, 90 minutes, dans le cadre de votre émission La Presse. D'ici là, bien sûr, dégustez nos programmes à travers votre média panafricain.